Bonjour tout le monde, bienvenue, bonsoir. Vous êtes sur Ivasound Studio, ici Jake. Je fais un petit test micro-retour. Attendez. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Ce soir, cette nuit, je vous propose la nouvelle aventure qui vient de sortir. C'est sorti il y a quelques heures. C'est tout simplement Pokémon Legends. Légende Pokémon Arceus. J'ai un peu de mal avec l'ordre des mots. Ça se passe dans la région de Sinnoh, comme Diamant et Perle. Du coup, on va pas être trop dépaysé, ou peut-être que si, on va voir. Voilà, j'ai juste vu quelques trailers. Je m'attends à être bien surpris. Donc, let's go, c'est parti. En espérant qu'il y ait une belle cinématique au début. On va voir. On va voir ça ensemble. J'ai pas du tout lancé le jeu pour l'instant, j'ai juste mis la mise à jour du patch Day One comme d'hab. Donc Game Freak derrière le jeu évidemment. On joue en français. Ça, c'est pas nouveau. Donc la sauvegarde s'affichera en haut à droite. Ah ou pas? Non, c'est pas une cinématique, c'est juste le jeu qui commence comme ça. Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. Bon, bah, c'est Arceus qui parle, quoi. Peut-être. J'attendais ta venue. Ah oui, c'est ça, oui, c'est bien Arceus. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Ça fait bizarre de voir un Pokémon qui nous dit que c'est lui qui commence le jeu quoi à la place d'un professeur. Ouais, on va pas s'embêter. Hein. Quel nom portes-tu? Bah, aux dernières nouvelles, mon pseudo, c'est Jake. On va pas changer ça pour l'instant. Plus tard. Donc oui. Jake. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Jake. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Attends tous, il y a un Pokédex? Dans cette aventure médiévale, comment on dit, japonais? Sinnoh médiéval? Bah tiens, Sinnoh, région de Sinnoh d'ailleurs. Voilà. Attends, c'est mon moi du futur. On est dans le temps présent là? Au revoir le téléphone. Bonjour. J'ai des fringues très modernes donc ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il me change mon téléphone. D'accord. Donc il m'a amené quelque part avec lui. On n'entend pas trop le son du jeu, je trouve. Même pour moi. Chargement. Oh punaise! La violence. Ça va être un rival ou quelque chose comme ça. Please! Ah. Oh! Des potes. Mon dieu, Erisandre. C'est bon, j'ai mon starter. Est-ce que tu es en vie? Peut-être. Ah non, il y a quelqu'un derrière. Ça a changé de ce qu'on a pu voir jusqu'alors dans les séries Pokémon. Oh là, il y a des choses. En haut à droite, regardez au-dessus de la montagne. Il y a une faille temporelle. Alors, j'entends pas trop le son du jeu, donc je reviens très rapidement pour monter le son de ma télé. Voilà, c'est mieux.
Oui, parce que la télécommande, elle bug. Je suis obligé d'y aller à la main. Alors. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Tomber du ciel. Enfin, tu as l'air bien, c'est l'essentiel. D'accord. Mince, j'ai pas vu, j'ai cliqué trop vite. Trop tard. C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? D'où est-ce que tu viens? J'ai des tongs, j'ai un short, j'ai un t-shirt. Je suis un japonais. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement, donc je viens bien du futur. Ah bah punaise, ça, je m'y attendais pas. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Non. Oh, trissouille. Je vois, quelle guigne. Quelle guigne? C'est... D'accord, c'est pas une expression d'aujourd'hui, ça. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non. Non. Donc, pour résumer, tu ne connais personne, tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Il faut croire. Bonne question. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai compris, je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Gentil. Rindibou. Stimous. Je veux le hérissandre. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu tombais du ciel. Quoi? Attends, ils couraient après ces Pokémon? C'est pas les siens? Et les Pokémon, ils sont là, attendent gentiment. Eh ben. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Oui. Ça oui, quand même. Tant mieux. Tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Donc on est bien sur terre, vous avez entendu. Je m'occupe de ces trois Pokémon, quelle créature étonnante. Mais j'allais oublier, comment t'appelles-tu? Ben, je l'ai dit tout à l'heure en fait à Arceus. Alors Jake. C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Sorry, vraiment désolé. Ah, il s'appelle Lavande. Il s'appelle Lavande, d'accord, c'est le professeur Lavande. Mais par contre, mais t'as quoi sur la tête ou juste ça? Par contre, c'est super chelou. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Je m'intéresse justement à ces trois-là, qui se barrent, forcément. Ils se barrent, ils sont restés là tout le long et là, ils se barrent. Oh non, quelle guigne! Il doit être du sud. Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu pourrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît, please? Attendez! C'est bien, je suis en... Oula, caméra, d'accord. Je suis en tenue vraiment d'aujourd'hui, du futur, dans un vieux monde. C'est... Ah, bon, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est indiqué. Alors attendez, je regarde un peu tout, se balader, tout ça. Est-ce que c'est fluide? Ça a l'air. Pour l'instant, j'ai accès à rien. Hein. D'accord. Sauvegarder. ZR. Paramètres. Commande. Option. De suite, on regarde ça. Texte rapide. Oui, ça me va. La caméra, en général, sur Pokémon, je la bouge pas. Ça, je sais pas. On va peut-être se changer ça. Bouton ZR. Ça, on va voir ce que c'est plus tard. La musique, les effets sonores, les cris. Plage dynamique. Permet d'ajuster l'écart entre les sons les plus faibles et plus forts pour faciliter l'audition. Oh, c'est une bonne option ça. Bien joué, Game Freak. Ok. Commandes. Alors, les commandes. Base et combat. Base. Alors, attendez. Fixer une cible ZL. Changer de. Changer quoi lancer? D'accord, caillou, pomme sûrement. L, viser, lancer, ZR, changer quoi lancer, R, d'accord, Smarceus, ça devrait être une sorte de Pokédex ou d'item comme ça, je pense, monture Pokémon, monture? Ah oui, c'est vrai, c'était dans le premier trailer, courir, ça change pas, menu, ok, changer de monture, bon, ça, à la limite, ah, peut-être monture aquatique et monture pas aquatique, ça doit être ça, Pokédex, il y a bien un Pokédex, donc, ok, mais alors le Smarceus, je vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout. Objet Pokémon, X, interagir A, s'accroupir, se relever B, jusque là ça va, esquiver Y. Esquiver? Wow. On est ouais, d'accord, on est sur des choses toutes nouvelles, vraiment. Ok. Eh bien, c'est parti.
Alors comme d'hab, il y a la quête principale et il y a moi qui me balade. C'est quoi ça? C'est ok, d'accord, c'est juste y a un effet de vent, de sable, c'est pas des Pokémon. Bon, en haut, on voit qu'il y a une espèce de fight spatio-temporel, hein, évidemment. Est-ce qu'on peut prendre le bateau? Il y a une rame. Je peux pas sauter. D'accord. Pour l'instant, je peux pas faire plouf non plus. J'espère qu'on aura vite, vite accès à une carte. S'il y a des objets cachés de partout, par contre, je suis dans la panade. Parce que ça, j'ai du mal à les trouver sur Pokémon, en fait. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le chat qui s'affole. Wedgeos qui fait un raid. Bonjour Wedgeos, bonsoir. Je sais plus l'heure qu'il est à force, maintenant que je me mets à streamer la nuit. Bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue sur Ivasson Studio, ici Jake, et je débute là maintenant, à l'instant, cette aventure légende Pokémon Arceus. Installez-vous. Qui coule le truc du moment? Ah bah il est sorti maintenant, hein, le jeu de toute façon, donc là c'est clair que va y avoir du monde. Je peux pas ouvrir la porte. Bonjour tout le monde, installez-vous. Installez-vous, installez-vous. Prenez un petit plaid, il fait un peu froid en plus en ce moment. Faut pas attraper froid, quoi. Je suis un peu désorienté avec ces commandes-là. Ah, cinématique. Ou pas. C'est Wed qui a dit que t'allais le que tu étais le truc du moment. Moi, je suis le truc du moment? Voilà, c'est quoi ce... Bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. J'ai prévenu, attention, spoil et tout, donc moi, je reste pas, mais bonne découverte. D'accord. Bah là, pour l'instant, je débute, donc voilà. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière là-bas. C'est pas le téléphone qui est tombé du ciel, ça? Enfin, peut-être, on va voir. Ça va tout beaucoup. Ça va, Yuni et toi? Bon, c'est pas mon téléphone. Qu'est-ce que c'est donc? Jakune. Oh mon dieu, on m'avait jamais fait ça. Jakune, oui, mais Jakune, non. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. Avec des trucs Arceus autour. C'est un Motisma Arceus. Et du coup... Mon dieu, c'est ça, le Smartseus. Oh, punaise. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. Ah, ben voilà, c'est ce que je disais. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Ah, il a de la 5G. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie, ce Smartseus est investi d'une mission... Non, mais arrête, non, mais... Smartseus, ils sont pas embêtés, quand même, pour le nom, quoi. Smartphone, Arceus, Smartseus. Ils auraient pu trouver un truc un peu mieux, quoi. Donc en gros, Arceus me parle, génial. Maintenant j'entends des voix, je suis Jeanne d'Arc. Bon, je te confie, ce Smartseus est investi d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Génial. Voilà. C'est tout. C'est tout? Sérieux? Bah écoutez, d'accord. Je veux une carte, s'il vous plaît. C'est ma seule demande. Après je me débrouille, je veux juste une carte. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a la quête principale et moi qui cherche à escalader les cailloux. Et aller au bord de la map pour voir les contours de la map. Hein. Donc, la quête principale et moi qui part à la perpendiculaire. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je continue d'avancer. Hein. Ah, le professeur, il est là-bas. Je veux savoir c'est quoi qu'il a sur la tête quand même. Hein. Il a un truc bizarre sur la tête. Oh, misère! Rien à faire, je n'y arrive pas. Non, mais regardez-moi ce chapeau. Quoi. Rien à faire, je n'y arrive pas. Est-ce que tu es venu m'aider? Je sais pas. J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Donc à cette époque, il y avait déjà des Pokéballs? Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces trois Pokémon. Lui, c'est Brindibou. D'accord. Content, salut. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est capable aussi de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Donc c'est l'oiseau de plantes, quoi. Brindibou. Mon dieu, on aurait dit des nageoires. Ah, mon préféré. Celui qui est là-bas, c'est Rissant. Bon, c'est déjà ce que je prends, hein. Forcément. Lorsqu'il s'énerve, qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Je veux Rissant. Il est tellement mignon. En même temps, tous les starters sont mignons. Qu'est-ce que c'est que ça? Les starters au moustillon. Il a un coquillage sur le ventre pour cacher son nombril. Discuter avec Robert, il faut vraiment citer Robert en entier, de son pseudo en entier. Donc Rob Tab, ou alors taper Robert underscore Ivas. Sinon il répond pas. Brindibou. Il essaye de discuter, je crois. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Timousse.
Mon dieu, il avait des dents. Ça faisait bizarre de voir autre pas un sticker sur la bouche d'un Pokémon. Fichtre. Ah oui, lui, il parle vraiment vieillot. Ouais. J'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Ah, il est stylé en vrai. Voilà, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Vous recevez 50? C'est généreux. Attends, ça veut dire que je suis pas obligé de faire des combats? Ça m'arrange en vrai. Je suis pas fan de ça. Pokéball, une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Je vais devoir craft des Pokéballs. Robert, c'est un bot? Oui, Robert, c'est un bot, Uni. Oui. Rob. Robot. Robert. Robot. Voilà. C'est une longue histoire qui a plusieurs années, mais... voilà. Tous les Roberts sont des bots. Donc, il va falloir que je crafte des Pokéballs. Sorry, vraiment désolé, ce n'est pas tout, bien sûr. C'est un professeur qui est beaucoup désolé, quand même. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. Pardon? Ah bah oui, pour entrer dans la Pokéball. C'est là que les Pokéballs interviennent. Attends, ils deviennent d'abord minuscules et après ils rentrent dans la Pokéball. Là, il y a... bizarre. C'est une invention plutôt récente, tu sais, quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Ah ok, dans ce sens-là. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois? Les trois? Il veut attraper les trois? Mais je voulais que Hérissandre. Ah d'accord, donc lui il veut étudier les Pokémon, mais il sait pas les attraper. Et c'est un professeur Pokémon avec un bonnet bizarre sur la tête. Ok. Oh là, il y a de la lecture. Alors, post-chat. Post-chat... Je voulais vous dire quoi? Oui, par rapport à Robert. Donc Robert est bien un bot, il fait des choses sympas. Vous avez diverses commandes ici. Ou pas. Robert, faut réagir en fait. Robert? D'accord, le CMD ne fonctionne pas. C'est bizarre. Vous avez des commandes là, vous avez des commandes point d'exclamation Iva Sound. Vous avez ça renvoie pas le lien vers la page de toutes les commandes, il y a d'autres commandes encore vers un lien. Vous regardez dans les panels sous Twitch, il y a le lien qui ramène vers la page de toutes les commandes pour l'instant accessibles. D'autres viendront par la suite. Mais vous pouvez pas, voilà, si ça vous fait plaisir, vous pouvez tenter de pêcher un poisson dans le chat. Là par exemple, je viens de remonter un cabillaud. Voilà, j'ai eu de la chance. Bref, revenons à Pokémon. Lancez une Pokéball. Vous pouvez attraper les Pokémon en leur lançant des Pokéballs, sans blague. Pour viser, maintenez ZR appuyé. Vous pouvez continuer de vous déplacer en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Pour viser, maintenez ZR appuyé. D'accord, ok. Ah, Wajos, il a fait un coup d'épée dans l'eau. Il a pas pêché. C'est quoi le truc derrière 10M? T'as pas pris un... C'est quoi 10M? Je sais pas ce que c'est ça. Bref. Relâchez ZR pour lancer la Pokéball. Si celle-ci touche, vous parviendrez peut-être à le capturer. On est un peu sur un système à la Let's Go en fait. Appuyez sur B pour renoncer à lancer votre Pokéball. Okay. C'est bizarre. Un coup de paix. Oh, de suite. Viens me voir si tu n'as plus de bol. Bon, je vais quand même pas lancer 50 Pokéball sur... Oh, Hérissandre, de suite. Oh, punaise. D'accord, j'ai compris le système. Ah, c'est bizarre. Et maintenant, ça fait quoi? Je dois m'approcher? Non, ça... D'accord, il se TP dans ma poche. Très bien. Fantastique, amazing. T'es sûr que t'es du Japon, toi? Tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon sera très utile pour vivre ici. Mais attends, j'ai attrapé qu'un Hérissandre. Il ne te reste plus que deux Pokémon à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux, c'est très étrange. En même temps, à mon époque,
Mais ça veut dire que je vais avoir les 3 starters avec moi? Sérieux? Bizarre. C'est super chelou. Ah, il y a eu un point d'exclamation sur la tête. Bravo, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il n'en reste plus qu'un. Bon, il est où le Brindiboubou là? Où est-ce qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Je peux aller dans l'eau? Ah, ici oui, d'accord. Donc tout à l'heure je pouvais pas. Là, oui. Ah, il est là. Oh, j'ai raté. Quel nul. Sérieux? Ah, il a bougé. Oh, il a raté. Ce genre de choses peut arriver. D'accord. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Try again. Ah, il a bougé. Voilà. Génial. Mais pour de vrai, j'ai les 3 starters avec moi? Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie, mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je viens du ciel. Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Mm-hmm. Je me sauve à l'aide. Mais bon sauvetage. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Je lui montre ça? Tu dis que c'est un Smarcius? Quel objet étonnant. On dirait vraiment qu'il te guide. Donc ils ne connaissent pas ça. Très bien. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? Allez, attraper tous les Pokémon? Voilà, voilà, voilà. Voilà. J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les rattraper. Eh bien, tu verras, cher monsieur, que dans le futur, t'as plus besoin de les attraper, mais juste de les rencontrer. Très utile. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mises au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Et là, ça va être tout le but du jeu, en fait, où on va voir que des gens et des Pokéballs. Donc en fait, ce que tu dis, monsieur, c'est pas vrai. Scénario. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Peut-être. À voir, c'est bien payé. Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? C'est bien payé? Qu'en penses-tu? Et si tu nous entraînes? Oh, sérieux? Par contre, j'aimerais avoir un chapeau pour cacher ma coupe de cheveux, parce que là... Mais pas comme toi, monsieur. J'aime pas ton bonnet. Je ne sais pas trop qui tu es, ni d'où tu viens. Mais je t'ai dit mon prénom tout à l'heure. Mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. D'accord. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons pour te trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Mais ça va, je suis pas à poil non plus. Tu es cupide. Non mais... Je sais juste que je débarque de nulle part, sans un sou. J'ai rien, donc à un moment donné, oui, il faut bien manger et être logé. Allons à Rusticité, suis-moi, je tiens même. Donc, si on fait un parallèle avec la zone médiévale, ah, cinématique, je ferai mon parallèle après. Donc ça fait un moment qu'on le voit dans le ciel. Cher ami, toujours de service à ce que je vois. Il parle au garde. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me perds donc de l'inviter au village. Ok. D'accord, il a donné l'autorisation. Il a dit oui. Avec son joli chapeau. C'est plus joli que le bonnet, quand même. D'accord. Ça a l'air d'être un grand village. Donc je vais bien faire le comparatif que je voulais faire tout à l'heure.
beaucoup de gens à parler. Suis-moi. D'accord. Très bien. Voici Rusticité, c'est grâce aux efforts du groupe Galaxy qu'elle s'est si bien développée. Pardon ? Le groupe Galaxy ? Mais dans le futur, c'est des gens pas gentils du tout, en fait. Oui, donc le parallèle que je voulais faire, c'est que Rusticité, parce qu'on est dans la région de Sinnoh, donc la même région que Diamant et Perle, si on est par rapport à l'axe de la caméra, par rapport à la montagne là-haut, je dirais que dans le futur, cette zone, c'est Félicité. Je pense. Je pense que c'est ça. On va voir. Par contre, j'aimerais vraiment avoir une carte. Mais vraiment. Nous nous trouvons actuellement sur la jolie allée. Ah, en plus, il y a des noms de rue maintenant. Tu comprends que de nombreuses choses s'incrisent, mais s'il te plaît, suis-moi. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main d'œuvre, si tu veux. Je peux courir, s'il te plaît ? Bon, d'accord. Tu vas te perdre. Oh, de suite, ça va. Première fois que je vois cette tête. D'accord, les PNJ parlent comme ça. Je vous laisse lire. Hein. Le bâtiment qui se reste plus loin. Groupe Galaxy. J'arrive. La cité, c'est Félice. Se Félice. La cité, se Félice. Félicite. Je l'ai pas. Désolé. C'est la cité, se Félicie aussi. Ils ont peur de moi parce que j'ai des tongs. En tout cas, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli en vrai. Par rapport à tout ce que les gens ont dit sur Twitter avant que le jeu sorte, pour de vrai, je le trouve plutôt joli pour le moment. Quelle guigne, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les 3 Pokémon. Ah, donc il y a quelqu'un qui est le responsable du village. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Ah oui. Boire et manger. Tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont. Quel pont? Ouais. C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Non pas le Hardy Gourmand. Ah oui, le pont, d'accord. Ah. Le Smarcius réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Ah, la carte. Oh là, oh punaise. Consultez la carte depuis le téléphone en appuyant sur le bouton moins. Ça vous servira de guide vers votre prochain objectif et vous fournira des infos sur vos missions. D'accord, donc la carte risque d'être très complète. On voit qu'il y a des notions sur la carte de hauteur, de... Comment ça s'appelle? C'est pas de la géologie. C'est vraiment des cartes qui, chaque trait correspond à une hauteur supplémentaire en relief. C'est un nom particulier, j'ai complètement oublié. Le cours de SVT et moi, ça fait très longtemps. Les indications pour atteindre le prochain objectif sont également affichées, très bien. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous vous dirigez, regardez autour de vous afin de trouver le marqueur d'objectif. Ah, ça, c'est pratique. Alors, le jeu de mots, Félicité. La cité de Félicité, bien Félicité. Ah, c'est bon, je l'ai. Pardon. Il est tard. Ah, je peux rentrer dans tous les bâtiments, comme avant. Il y a le nombre de pas, ou de mètres. D'accord. Donc on est vraiment... Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un croisement entre Zelda Breath of the Wild et Pokémon. Donc lui, il s'appelle Réo. La région est très grande, il y a plein de Pokémon. Lui, c'est qui? Bori. C'est mon grand frère qui prendra la suite de mes parents. Donc moi, je peux faire autre chose. D'accord. Bon, alors, faut aller là-bas. Du coup, j'y vais pas, forcément. Ça a l'air d'être... Ça, c'est pour construire d'autres bâtiments, sûrement. Aire de pâturage. D'accord. Bonjour. Je me demande s'il y a des personnes capables d'attraper suffisamment de... Oui, bon, le... Ah, donc, c'est dès que j'attrape un Pokémon, ça va aller là-dedans. Wow. Ah ouais, mais ouais, c'est un jeu Pokémon qui a rien à voir avec la licence de base, en fait. Et je comprends l'idée de la monture plus tard, hein, parce qu'en fait, même courir, c'est lent. C'est vraiment lent. Au secours. J'arrive, messieurs, dames, je vais vous parler, mais avant ça, je veux parler aux gardes. Bonjour. Il s'appelle Thomas. Les Pokémon de Hisui, voilà, oh, punaise, c'est le nom que j'ai cherché tout à l'heure. Hisui, c'est l'ancien nom de Sinnoh. Ils sont censés être plus sauvages et puissants que ceux des autres régions. Ah bon? Ça, j'en sais rien. Ça sous-entend, ce dialogue-là peut sous-entendre que par la suite, on puisse voir
peut-être pas dans ce jeu, mais dans d'autres, peut-être jeux futurs, des spin-offs, le côté, enfin, les anciennes régions, donc Kanto, Johto, etc., dans le passé, à voir. Ascor, il n'y a pas de Pokémon à la plage, premier pas. Mon Dieu. Au moins, on peut dire que c'est sûr là-bas. Donc, la plage, premier pas, bien sûr. Hein. Petit jeu de mots nul. Ça reste un nouvel arrivant, Baza. Si on veut garder le village efficacement, il faut que les Pokémon deviennent nos partenaires. Okay. Une fois, j'ai été attaqué par un Pokémon. Depuis, elle a peur. D'accord. Donc, ouais, ça, pour moi, je suis totalement un étranger pour eux, quoi. Ça, c'est clair. Est-ce que Sinnoh vit? Oh. Ils vivent avec le strict minimum. Et les gens sont vraiment bizarres. D'accord. Timo! J'ai peur des Pokémon, même, mais on a quand même déménagé ici. Donc vous, vous venez pas d'ici, vous venez d'ailleurs. Je peux pas rentrer, et lui il garde ce bâtiment, qui a l'air d'être important. Il y a quoi derrière? Un puits. D'autres bâtiments. Quelqu'un qui fait du bêchage. Bonjour. Alors comme ça, même à ressusciter, il y a des loustiques dans ton genre. T'as une drôle d'allure. Ouais, faut vraiment que je change de fringue au plus vite. Si j'ai traversé la mer pour venir ici, c'est pour avoir une parcelle bien à moi. Mais si je ne peux pas y travailler en toute sécurité, ça sert à rien. C'est inquiétant quand même. Tu t'épanches sur la question. Mmh. Là-bas, il y a une autre grande maison. Je fais d'abord le tour d'en bas et après, comme ça, la rivière, c'est le repère. Parce que ça, c'est un bâtiment ou trois. Vous devriez plutôt... Ah, donc, je peux pas rentrer dans le bâtiment. Dans les bâtiments pour le moment. Donc, continuons à parler à ces gens. Qui ne travaillent pas, ne mangent pas. Ah, bah voilà, donc il va falloir que je travaille. Je vais te donner ma technique pour attraper des Pokémon. Il suffit de les atteindre avec des Pokéballs. Merci! Si tu veux t'intégrer, il faut discuter avec le plus grand nombre de personnes possible. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. C'est un empêchement de Sinnoh. Le petit pont. Je viens d'arriver au village. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. Toi, je sens que tu vas être un ami qui va me suivre, un rival, quelque chose comme ça. Il a des lunettes à la Harry Potter. Il a des lunettes qui se portent comme un masque... Vous avez vu? Le détail? C'est bien pensé. Examiner, j'examine quoi, Harry? Joli pont. Très bien. Oh mais il est encore grand le village. Wow. Ah, un marchand. Tu n'es pas du coin. Non, en effet, je suis pas du tout du coin. Nouvelle coupe, c'est un nouvel état d'esprit. Nouvel état d'esprit, c'est un nouveau destin. Ok. Ah donc là c'est que je vais pouvoir changer le physique, peut-être les fringues et tout ici. Ah ou pas. Donc là c'est les fringues et là c'est le coiffeur. Des photos. C'est quoi? C'est un galop pass? Wow, j'ai fait bugger la caméra. 78 Z8. Attendez, c'est quoi? Je vois pas le... J'ai l'impression que c'est un galopa, mais je suis pas sûr. Je trouve les Pokémon terrifiants. Rien que pour sortir récolter des baies, ça me fait peur. Ah ouais, ils ont vraiment un problème. Ah, je peux pas aller dehors. Très bien. Bon, bah allons voir le bâtiment à la cantine. Parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Le garde, ça sert à rien de lui parler, on est d'accord. Le dirigeant Cormier. Il aurait réussi à faire voltiger un Pokémon avec des techniques de sumo, d'accord.
Ah si, il y a encore deux gens ici. C'est quoi ça? Forgeron? Tu cherches quelqu'un? Non, pour l'instant. Le groupe Galaxy est constitué de nombreux corps différents. Il y a la défense, les bâtisseurs, les agriculteurs et j'en passe. Mais pourquoi Galaxy en fait? Je comprends pas. Ils avaient la technologie à l'époque? Merci, statuette gardienne. D'amulette. Jeu de mots. Amulette. Nous remercions ensemble notre statuette gardienne, grande protectrice de notre chère rusticité. C'est le logo d'Arceus hein, dessus. Hein. Ah, il joue à la pétanque. Ah non, c'est un combat de Pokémon. Corps des chercheurs, d'accord, mais qu'est-ce qu'il gère? Il cherche à savoir quel est le meilleur plat du hardi gourmand. Ils sont toujours fourrés là-bas. Mmh. Oh, il était mignon. Nos armes sont impuissantes face aux crocs et aux griffes des Pokémon. Ouais. Pas convaincu. Bon ben, direction la cantine. Je suis jugé. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Ah, il faut le faire. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais avis que t'es pas d'ici. Oula, il est pas content. Le hardi gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Du balai. Ah. Ah, c'est violent. Ah, avec un petit vent. Ah. Non, c'est cette personne qui sera ma rivale. Ou mon ami, je sais pas. Qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements. Tu ne donnes pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. J'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu devrais connaître quelqu'un du village. Bah oui, le professeur Lavande. J'y pense, Ah bah tiens. Tu connais peut-être le professeur Lavande, il vient d'une région très lointaine. Il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Et je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. D'accord. Malheureusement, Lucie a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur, il était derrière. Tout ira bien dorénavant. Jake va nous prêter main forte. Comment, vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Ah. Lucia, c'est la chef, d'accord. À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena. Bah, elle a dit Lucia, pourquoi? D'accord. La chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. T'as l'air d'avoir 15 ans environ. Ah mais pour une fois qu'on a pas quelqu'un de 10 ans, c'est bien. C'est un jeu un peu plus mature. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Oh. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. C'est pas faux. Je suis un peu d'accord. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis, en ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Ah, c'est l'heure de la popote. Lardi, les beignets de patates habituels, pour toi. Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Ah, il nous a mis la table dehors quand même. Hein. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Ah, c'est lui. Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Présenté. Je suis un scientifique. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits.
Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. C'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Pardon. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir un peu plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là que je vais intervenir, ok? Figure-toi qu'il a réussi à attraper les trois Pokémon. À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est pas capable de parier pour ça. Je me pose une question quand même, c'est... je joue un personnage qui a 15 ans. Je suis tombé dans une faille spatio-temporelle. Ma question est, comment je suis tombé dans la faille spatio-temporelle? Qu'est-ce que je faisais avant? Où sont les parents? Tout ça. Bref, grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. Trois Pokémon? Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces trois-là ne l'ont pas attaqué. C'est justement parce qu'il ne l'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais t'as dit qu'à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc. Oui. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Et bon appétit, bien sûr. Quel festin, c'était vraiment délicieux, so tasty. En effet, mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Jake rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? T'en fais pas, j'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant, patati patata. J'espère que tu dis vrai. Jake, c'est bien ça, ce soir tu dormiras au logis. C'est où? Ah, c'est là-bas. Si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Ah ben dis donc, c'est la gentillesse incarnée, hein. Au secours. Entre la nature de Hisui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Je suis d'accord. Elle doit se montrer forte et inflexible, c'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Quand je pense que tu tombais de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Rendez-vous au corps du logis. Ok. Ah, il y a les PNJ qui ont bougé. Enfin, toi, tu t'es fixé. Il aurait pu rester en déplacement, pardon, mais. C'est les mêmes dialogues. Mais par contre là, il y a une personne devant. Allons au logis, hein. Faisons avancer l'histoire. C'est parce qu'avant de changer de sexe, tu étais une jeune femme qui a suivi le docteur à bord de son TARDIS. C'est pas la même histoire, je crois. Là, je peux ouvrir un coffre. Bah, faisons-le. Une grosse boîte posée ici, elle peut contenir probablement des objets. Cette âtre traditionnelle permet de chauffer la pièce. C'est super joli, n'empêche. Cette jarre contient de l'eau potable. Son couvercle protège l'eau des impuretés. Le guide d'aventure. Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers Hisui. Vous pouvez le consulter à tout moment, depuis le menu, en appuyant sur le bouton haut, puis en sélectionnant aide. D'accord. Si ça avait été le cas, je t'aurais rien dit. Ah, punaise, français. Si ça avait été le cas aujourd'hui, je t'aurais rien dit. Je sais pas, mais je sais pas. C'est Robert qui répond. À l'attention des membres du groupe Galaxy, pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Oui. Bon, oui, mais ça on le sait déjà.
C'est bon? Ah, je suis pieds nus. Donc ça respecte la tradition jusqu'au bout. Et là, je remets mes tongs de manière magnifique et de manière magique. Regardez, j'ai les tongs. Hop là, j'ai plus les tongs. Je les ai même pas touchés. Hop là, et j'ai re les tongs. Impressionnant. Voilà, c'était la magie. C'est mon super pouvoir magique. Au secours. Cette commode très robuste est assez grande pour ranger plusieurs tenues de rechange. Donc là, c'est ici que je vais pouvoir me changer. Code de conduite. Le membre du groupe Galaxy devra respecter scrupuleusement l'étiquette. Traiter ses aînés avec respect. Oublier ses préférences personnelles. Venir en aide aux plus faibles. Faire face aux difficultés avec courage. Ça, oui, bah c'est si la Team Galaxy avait gardé tout ça, ils auraient pas été méchants ensuite. Hein. Se changer, il y a un miroir. Mais je peux pas me changer pour moi. Miroir qui me reflète pas, je suis un vampire. De jolies pierres que quelqu'un a ramassées, elles sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il y a une lanterne en papier, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Bah, c'est une lanterne en papier, quoi. Ok, bah c'est, il faut faire le dodo, hein. Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin? Oui. Ah. Wow, 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 wow. Il s'est passé quoi? Le lendemain. Bonjour, tu as attendu l'orage, c'était impressionnant. C'était pas un orage. Ce n'était pas un orage. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc bonne chance. Hop là, les tongs. Comme il fait beau aujourd'hui, bah comme hier, hein. J'espère que tu as passé une bonne nuit malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Dépêchons-nous d'aller au siège, la chef nous attend certainement. D'accord. La dame passe toujours le balai, mais ça sert à rien de passer le balai là en fait. C'est du sable et de la poussière, ça sert à rien. Ça sert à rien, vraiment. Bon, je veux juste appuyer sur ça pour une fois. Voir ce que c'est. Alors, je peux zoomer des... Oh! Ah ben oui, c'est ça, c'est Félicité. C'est pile l'emplacement de Félicité dans Diamant et Perle. Alors attendez, il y a le mont couronné qui est au centre, qui ne va pas s'appeler comme ça du coup. Au-dessus, les montagnes enneigées, c'était Frima Peak. Et c'est bien brumeux, donc je suppose que la brume va s'enlever un peu plus tard. Il manque un petit bout d'île sur le nuage en haut à gauche. Je suppose que ça, on ne l'aura pas. Tout à droite, c'était la... Ah, attendez, parce que la géographie sur la droite est pas vraiment pareille par rapport à Sinnoh. On dirait plus Ashara dans World of Warcraft, mais bon. Ok. Il y a une entrée sur la montagne, on la voit au milieu, la petite tache noire. Alors, je peux me déplacer. Voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un verger. Je peux cliquer ou pas? Ah d'accord, je peux laisser des trucs. Ça c'est le siège, ça c'est la damulette. L'atelier, le restaurant, la boutique, donc les fringues. Non, les fringues c'est ici, c'est la maison du textile. Capillaire, c'est pour changer de coupe. Quelque chose que je pense que je vais faire rapidement. Boutique. Bon, c'est une boutique. Ça, c'est chez moi. Enfin, chez moi. On va dire que c'est chez moi. Et là, c'est pour faire des photos. D'accord. La porte principale. Ça, c'est la porte principale? Punaise, moi, je croyais que c'était ça. Et là, c'est la plage où je suis... J'ai débarqué ici. J'ai débarqué ici, là. Épinglé, tamponné. Et on a la météo. D'accord. Bon.
peu vide. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et Igia qui est en train de crier. D'accord, ça doit être une sorte d'infirmerie, ça. Oui, c'est une infirmerie. C'est un membre du corps de la défense. Malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Mais pourquoi les Pokémon attaquent tout le monde ici? Je comprends pas. À la base, si on les embête pas, ils nous embêtent pas, quoi. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Chef, Jake est là. Oula, elle a beaucoup de papier. Hein. Vivement le numérique. Entrez. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Kunotor, un Étourmi et un Lixi. Un normal, un vol et un électrique. En gros, il me donne mon roster en entier, quoi. Il faut qu'il attrape 3 espèces différentes, mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Oh, y'a un Abra! Y'a un Abra! Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, sacoche, c'est un sac banane qu'on porte à l'envers. Au moins avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Pardon, hein, mais non, en fait. Va maintenant. Lucia, je compte sur toi pour le venir en aide au besoin. Est-ce que je peux avoir mon hérissandre, s'il vous plaît ? Mission principale, l'épreuve. Ah, activer le guide. Plus. Ah, je peux pas. Je croyais que ça allait. Je croyais que ça allait m'apporter un descriptif. Consultez les missions. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smart Seus, appuyez sur Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Je suis pas obligé de tout. Alors attendez, on est sur un crossover entre Zelda, Monster Hunter et Pokémon. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes... ok. Il y a du boulot. Attends une petite seconde, Jake vient par ici. Il n'a pas changé de bonnet. Great, c'est une belle journée qui s'annonce. Professeur, il y a un problème. Si Jake compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve et nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de le soutenir, voilà. Merci. Ah, il y a un plan du bâtiment sur la gauche. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 salles et un hall principal. Ok. Sur la droite, je pense que ça va être le panneau des missions. Ça doit être sûrement ça. Oui! Brindy! Hérissandre! Timousse! Pau! Teletubbies! Ah non, c'est pas la même chose. Choisis un Pokémon! Ah bah... les trois, vu que j'ai attrapé les trois! Lol. S'il est petit, on peut dire que c'est un Abra raccourci. Oh, joli! Ah, celle-là, oui, celle-là, elle est bien. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Lequel choisis-tu? Hérissandre. Hérissandre, sans aucune hésitation. Tu veux que ton partenaire soit Hérissandre? Oui. Je veux Hérissandre. Oh, il tire la gueule à droite, mais... voilà. Ah, d'accord. Donc il le met dans la Pokéball.
ce jingle remixé mais nul. D'ailleurs, on appelle balle de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. D'accord. Randy, Stimouche. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Je croyais vous tirer la gueule. Ou peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve. Bah oui. Je peux pas les avoir aussi. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village, qu'on dirait qu'ils sont tombés du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Randy, Stimouche. D'ailleurs, quelles espèces de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Il y avait un Étourmi, il y avait un Lixi, et le Castorno, mais avant, là, je sais plus comment il s'appelle. Quenotor. Ah ben, j'ai répondu, voilà. Bonne réponse. Prends ces Pokéball. Ben, j'en avais 50 à la base. Ah, j'en ai plus que 20 maintenant. Faut vraiment que j'achète le coiffeur. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. Voilà la porte principale, quoi. Alors, oh punaise, il y a un étage. Visitons. J'aurais aimé une mini-map, par contre. Vraiment. Ça m'aurait été bien utile. Guide d'aventure, commande. Ça, c'est moi. Ça, c'est mes objets. D'accord. Et ça, c'est mon hérissandre, niveau 5. Très bien. Bonjour, monsieur. Le deuxième étage abrite le bureau du dirigeant. Je peux pas y accéder. Ah, bon, j'ai essayé de frauder, j'ai pas réussi. Et il y a une cave. Ah. Je veux dire que ça, c'est les toilettes. Je sais pas parler cette langue. Je ferme. Ah, le labo du prof. Ok. Le pauvre. Je trouve que ça fait très peu d'espace pour un Pokémon. Là, je supposais qu'il y avait Hérissandre. C'est quoi ça? La nature de ce dispositif est un mystère, mais il en demeure point moins impressionnant. C'est pour contacter le futur, peut-être? 2148. Le meuble est plein à craquer de publications de documents traitant des Pokémon, blablabla, ça c'est quoi? Des notes de recherche sur divers Pokémon sont accrochées un peu partout. Ok. Des bouquins. Je m'engage à étudier avec la plus grande application la biologie des Pokémon de l'issue. On dirait qu'il n'y a pas de mission secondaire. Ah, ok, c'est un panneau de mission. Ah, Brindibou. Bon, ça, par contre, par rapport à lui qui est enfermé, là, ça, je trouve ça beaucoup plus joli. Beaucoup plus mieux. C'est très la France, ce que je viens de dire. Je crois qu'il dort sur son canapé, lui, vu comment c'est le bordel. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Ok. Porte-manteau. Plein de... Je sais pas, c'est des diplômes, c'est peut-être des missions, des lettres. Le Abra. Voilà. Pardon, j'ai bloqué la caméra. Bonjour madame. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Une sorte de note d'exercice du corps des chercheurs. En toute situation, chacun doit faire preuve de diligence. C'est très perturbant. Comme tableau. Bon, alors que ce soit écrit de droite à gauche, ça c'est Japon, hein. Mais de haut en bas aussi. Je sais pas. Un tableau que je ne comprends pas. Dans le là. Là, il y a des chaises partout. C'est quoi ça? C'est pour prendre le thé. Là, ça, c'est l'infirmière Joël. Qui s'appelle Igia. Donc c'est moi qu'on soigne maintenant, c'est pas les Pokémon. D'accord. Ça doit être un truc en rapport avec les affinités de type, peut-être. Je sais pas. Bonjour madame. Nos réserves de potions ont baissé, il va falloir chercher plusieurs punaises. Il va y avoir une partie de craft. J'aime pas ça. Ah, pardon, je voudrais parler à Zelda
Il est tout en vert. En Link, bien sûr. Et il a l'air mal en point. Je viens de là. Il y a encore d'autres salles. Fermé, fermé, fermé. Ok. Je vais jeter un œil au... Voilà, ouais, j'allais dire au rez-de-chaussée, mais en fait c'est tout sol. Voilà, c'est écrit le sous-sol. C'est fermé partout. Ouais, c'est symétrique, j'ai l'impression, par rapport à l'étage. C'est quoi ça? Une cantine? Non, c'est pas une cantine. Non, non, c'est un atelier. C'est un atelier de craft des Pokéballs. D'accord. Alors attendez, il y a besoin de quoi? Eh bien, il y a les deux parties de la bol. Il y a l'anneau. Et d'autres trucs. Il va falloir 5-6 items pour faire une Pokéball. Bonjour. Confectionner des objets pour répondre à des besoins est toujours un acte très gratifiant. Okay. Comme il n'y a rien ici, nous devons tout confectionner nous-mêmes. D'accord. Tableau, y a rien, je suppose. Ah si. C'est une sorte de note de service du corps des artisans. Nos objectifs, diffuser nos méthodes, assurer l'approvisionnement dans ressources, progression actuelle conforme à nos attentes. Ok. On peut sortir par là? Non. Donc au sous-sol, il y a que le truc des artisans. Ah, il y a quelqu'un. Dis, tu viens d'où? Ils sont bizarres, ces habits. Bah, même pas que je te le dise, hein, parce que ça va faire sur les années futures, tout ça. Bon, je pouvais pas aller à l'étage, premier étage. Attends, peut-être que je peux passer par là. Ou pas. Sauvegarde, merci, c'est bien ça. Je dois aller là-bas, je peux pas changer les habits. Mais non, j'ai pas de monnaie donc. Je me demande ce qu'aiment les étourmis, les chenilles par madame. Non, pour l'instant je peux rien faire. Bon, bah, suivons le jeu, ça va faire une heure que je joue. C'est même une heure que je joue, je suis encore sur le tuto quoi. Qui c'est cette personne? Quel drôle d'accoutrement! Je m'appelle Percupio? Percupio ou Persupio? Percu? Je sais pas. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. Ginkgo. D'accord. Je sais pas le jeu de mots. Ça doit être un Pokémon. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel. Bah, il paraît. Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Mais tu possèdes même un Pokémon. C'est vraiment fascinant. Un bon marchand? C'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Ok. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Je ne sais pas. Tu as un Pokémon, mais tu ne veux pas tester tes compétences? Allons. Bon, allez, d'accord. Premier combat. Un bon moyen de t'échauffer. Ok. On va essayer de gagner. Quel va être le gameplay? C'est ça qui va être intriguant là. Je m'intrigue. Un Togepi! Oh, un Togepi! What? J'aime bien le coup de pinceau. En garde! Je fais quoi? Oh, mais il avance tout seul! Donc, ça, c'est les objets. Je peux lancer une Pokéball. C'est rigolo. 8 capacités. Vous voyez, il y a... Ouais. Alors le chat, du coup, il sera sur le truc de là-bas. Par la suite, il faudra que je bouge le chat. Je vais mettre les propres au-dessus de la caméra. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'aurais bien. C'était juste un nouveau jeu, je savais pas comment... Avec une nouvelle interface, je savais pas comment... Voilà, c'est fait. Capacité, vive attaque, j'ai que vive attaque.
Oh punaise, mais il m'a fait mal. Ah, je lui ai fait mal avec un critique. Ah, je peux bouger la caméra. Ah, mais je peux bouger. Je peux bouger, je croyais que c'était fixe. Punaise. Et si je me barre, ça fait quoi? Je me barre. Débrouillez-vous. Ah, je peux pas. Alors attendez, je me mets là. Bon, ça reste du combat tour par tour quand même. Je pensais pas que ça aurait été comme ça. Combat terminé. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Ok, je me rapproche un peu. Niveau supérieur, nouvelle capacité. D'accord. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu trouves pas? Non. En vrai, objectivement, non, c'est pas amusant. Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités, deviennent plus forts. Les capacités des Pokémon. Les Pokémon peuvent parfois prendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat... Oui, d'accord. Ouvrez la sacoche. Choisissez Pokémon et gestion des capacités. Ça veut dire que je peux modifier ça à ma guise? Il n'y a pas une histoire de CT, de tout ça? Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort et le réconfort, je vais nous remettre nos Pokémon en forme. Oh, ça n'a pas fait le bruit du son de Pokémon. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. C'est gentil. 20 5 5 c'est tout? Potion, une pommade qui... Alors non, c'est soit une potion, soit une pommade. Ça peut pas être pareil. Donc bon. Et 60 PV? C'était pas... Utilise-les si jamais ton Pokémon t'a fait baisser, c'est ça. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Ok. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Toi, ça veut dire que tu vas te balader. Oui, oui, toi, t'es un marchand ambulant, toi. C'est ça. Non seulement tu sais attraper les Pokémon, mais tu sais aussi te battre. Quel talent! Allez, il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes. Qui dit obsidienne dit feu. Peut-être, sol. Ou alors c'est juste un titre parce que comme ça, il ne savait pas quoi dire. Quand tu sors du village, tu vas choisir une destination sur ta carte et dire à Oscar la garde, le garde où tu vas. Sérieux? Je suis tout le temps obligé de lui dire? Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds, il viendra... Ah, ok, c'est une... okay. Expliqué dans le lore, d'accord. Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. D'accord. Alors je te parle. Vous êtes Jake, c'est bien ça. Oui, nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites attention à vous, les dangers ne manquent pas. Je m'attendais à retrouver des villes de manière entre guillemets parallèle par rapport à Sinnoh, donc lui issu du futur. Mais en fait, ça va pas être ça. Étonné. Allez, vamos. Ah non, faut que je lui dise, faut que je clique, pardon. Non, je suis obligé de cliquer là. Donc c'est pas un vrai ouvert monde, enfin un jeu ouvert quoi, c'est du semi ouvert. Je suis limité dans mes déplacements quoi. Contrairement à Zelda. Nous voici arrivés au bivouac, jusqu'ici l'endroit est plutôt sûr. Pour ton épreuve, tu dois attraper 3 espèces de Pokémon, Kunotor et Tourmilixi. Allons-y. Mais quelque chose ne va pas, professeur? Après votre départ, Selena m'a pris entre 4 yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Bah, en même temps, Selena a toujours ses vers et quand bien même, que comptez-vous faire pour aider? À vrai dire, rien du tout. Lol. Merci. Punaise. Ah là là. Bon, je vais pas lire tous les dialogues à chaque fois parce que je vais plus avoir de voix sinon. Mais avec Jake, tout devrait bien se passer. Commençons l'épreuve. C'est bon, je peux me balader? Merci. Alors, là... c'est moi. Voilà, position actuelle.
Donc là, ça, c'est les plaines obsidiennes et c'est divisé en espèces de cantons. Ça, c'est l'épreuve. L'épreuve, elle est derrière moi. Et là-bas, c'est pour retourner au village. D'accord. C'est vraiment divisé en cantons. Wow, mais c'est hyper grand! C'est hyper grand! D'accord. Mais je viens d'acheter des objets, changer de Pokémon. Ok. Il y a des choses là. Se reposer. Boîte à objets. C'est quoi? Faut frictionner. Un plan de travail, d'accord. Se reposer, je vais pas le faire. Ok. Ah, oh, punaise. Bon, on va finir. Il faut finir la partie tuto pour être un peu plus libre dans les mouvements. Voici la colline Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper. Les plaines obsidiennes. Regarde, un Kunotor, quelle chance si tu essaies de l'attraper. Bah, si on me dit tout comme ça. Salut. Pour attraper un Pokémon, il faut bien viser. Ça, on l'a déjà vu. Comme Kunotor. Ah non, c'était fixé. Bon, je le relirai. Comme Kunotor a un tempérament paisible, ça devrait être facile. Ok. Maintenir pour. Ok. Il est où Kunotor? Il est là-bas. Y a plus de musique. Voilà, Kunotor. Non mais elle va les trouver pour moi? Là, je suppose que ça va être les tourmis. Ouais, il est en face. Ah, donc là, il va falloir que je fasse attention, que je m'accroupis. M'accroupis. Voilà. Ok. Je peux pas. Il a bougé. Concentration. Pas un bruit. Premier qui éternue, il va faire envoler les tourmis. Raté! Sérieux? Miss Barre! Mais non, mais il est en face de moi, les tourmis! Pardon, hein, je fais ce que je peux. Hein. Nul! Mais. Ah, je peux pas avancer plus loin, sérieux. Tu peux réinitialiser la position de l'étourmie, s'il te plaît, madame? Ça m'arrangerait. Ah ben voilà. Il s'est barré. Ah non, il est là. Raté. Mais c'est pas possible! Je fais ce que je peux. Mais j'ai fait bugger les tourmis. Je crois que j'ai fait bugger les tourmis.
Les bols rebondissent, je ne savais pas. Ah, mais quel est ce bonbon? Il n'y en a pas d'autres des étourmis? Non? J'aimerais bien l'attraper, mais il est dans une zone presque inaccessible. Il se barre encore plus loin. Il se barre encore plus loin. Qu'est-ce que vous voulez que je l'attrape? Oh, un oignon. Ah, ça se ramasse. D'accord, ok. Très bien. J'avais pas vu. Oui, madame. Je le sais. Je suis au courant. Mais il est là-bas, les tourmis. Il est loin. Il est très très loin. Mais il est beaucoup trop loin là. Genre vraiment beaucoup trop loin. Comment vous voulez que je fasse ça? Sérieux? Réinitialise-le s'il te plaît. J'ai fait bugger le deuxième Pokémon du jeu quoi. Ah, il est redevenu. D'accord. Il est revenu là-bas. Je vais changer de zone. Je me mets par là. Ne bouge pas. Allez. Allez. Yes. C'est difficile, hein. Allez, plus que le Lixi. Des baies dans l'arbre, je crois. Il y a une chose que je devrais t'expliquer. Après tout, tu es novice. Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta balle de partenaire. La chef m'a dit que pour changer quoi lancer entre les Pokémon et les objets, il faut appuyer sur... Oui, bon, d'accord. Essaye de viser les arbres ou les rochers pour que ton Pokémon récupère des baies. Quoi? Alors, attendez. Si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça... C'est rigolo. D'accord. Et il gagne de l'XP comme ça. Très bien. Il y a un arbre sur la gauche. Voilà un Lixi. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif. Oui, plus ou moins. Je l'aurais parié. Je suis obligé de fixer les Pokémon du regard pour apprendre tout ça. Les poses agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. Ah, alors attendez, là c'est intéressant. En fixant un Pokémon avec ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés au-dessus du Pokémon, plus il sera facile à capturer. D'accord. Une icône en forme de croix signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention, il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter en combat. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire pour l'attraper. Ce qu'il faut, c'est te battre contre lui. Tes Pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu l'utilises pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta balle de partenaire. Ok. Lance-la en direction, blablabla. Bla bla bla. Allez. Pour débuter le combat contre un sauvage, envoyez la balle de partenaire. Vous pouvez alterner entre les objets et les balles à tout moment. D'accord. Il est où Lixi? Ah, il est en face. Donc ZL. Et là, il y a re la musique. Ok.
si j'envoie étourmi, ça fait quoi? Je peux pas envoyer. Comment je fais? Pokéball, c'est ça, d'accord. Mais je peux pas envoyer le. Il y a un truc que j'ai pas pigé sur changer le Pokémon. Bon, c'est pas grave. Capacité. La mèche. Et ça fait mal. Donc là, j'utilise objet. Utiliser. Donc jusque là, c'est du Pokémon classique. D'accord. Si je le... Il m'a fait mal. Pourquoi il fait ça deux fois? Je suis pas d'accord. On va réessayer. Ok, ça va fonctionner. Par contre, pour changer de Pokémon en combat, il va falloir me donner des indications. Ok. Compléter le Pokédex, blablabla. Je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. Ben oui, mais moi aussi en fait. Donc ça est toute la question. Tu as réussi, blablabla. C'est la première étape de ton chemin, sur ton chemin. Prenons une photographie. Avec un tel talent, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. Il ne reste plus qu'à aller faire notre rapport. Ok. Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés sur l'aire de pâturage du village. Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon sur toi. Bon, ça c'est comme d'hab. Cela dit, personne n'a jamais réussi à en posséder autant. Retournons au siège pour faire notre rapport. Oui, tu l'as déjà dit ça, monsieur. Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès. Donc, si je vais là-bas, je peux déposer les... non, pas encore, ça viendra. Ah là, il y a les deux gamins. Bonjour madame. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Oui, c'est un sac banane. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Elle m'a rien donné, elle m'a juste tendu la main. Donc non, l'uniforme il tient pas dans la main. C'est un peu de crédibilité. À la limite, elle me donne la monnaie, je vais au magasin, je l'achète, mais bon, quand même. Va te changer au logis dans la chambre où tu as passé la nuit, rends-toi au bureau ensuite de notre dirigeant au deuxième étage. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Ok. Pour te changer, tu dois juste regarder le miroir. Non mais sérieusement, il y avait une penderie quoi.
pense qu'il va y avoir masse tenue. Mon dieu, mais c'est pas des sandales, quelle horreur. Oh, je peux changer la couleur de mes yeux. Pour l'instant, ils sont noirs. Là, ils sont noisettes. Gris. Marron. Ouais, c'est marron que je voulais laisser. Je vais mettre marron, j'aime bien. Très bien. Et les sandales, je les aime pas du tout par contre. Faudra changer ça dès que possible. Hein. D'accord, donc ça me ramène dans le bâtiment principal. Ah, on me laisse le logement en plus, parfait. De l'argent? Non, une casquette. Ah, d'accord, c'est Super Mario. Ou Gavroche. Ou Gavroche Mario. En vrai, j'aime beaucoup ce genre de casquette. Contrairement aux sandales. Ah, maintenant on va saluer le dirigeant. D'accord. Oh, il y a une fleur. Je l'avais pas vue. Elle est belle. Premier étage, le dirigeant c'est au deuxième. Il y a de la visite à faire en fait. Beaucoup de visites à faire. Nous habitons maintenant sur de nouvelles terres, ce qui signifie qu'il y a beaucoup, encore beaucoup à faire. D'accord. Donc là c'est de la paperasse. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Les agriculteurs. Et là, c'est la défense. D'accord. C'est quoi ça? C'est pour se reposer. Ça, c'est quoi? Un Evoli. Bonjour. Oui, madame, en effet, tu as raison. Et là, c'est quoi? C'est du stockage. D'accord. C'est un peu le bordel, hein. Et là, il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que toutes les portes puissent ouvrir un jour. C'est juste pour dire que c'est un grand bâtiment, quoi. Ah, il y a une moustache. Je t'attendais. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. Oh, son kimono est magnifique. C'est donc toi, Jake. Oui, c'est moi. Oui, monsieur. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, dont ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Voyons ce que tu... Oh non, un combat. Quoi? Je m'attendais pas à ça. Cette technique de sumo laisse à désirer, mais tu sembles avoir du contrat. Me dites pas qu'il va y avoir ce genre de choses quand même. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant, c'est normal. Pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de rusticité désormais. En attendant qu'on me renvoie chez moi quand même. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy, complète le Pokédex.
Je dois néanmoins te prévenir. Les Pokémon sont des créatures. Oui, oui, blablabla. Ça, c'est du blabla habituel. On me le dit pas. Je vois que notre dirigeant t'a accepté. En même temps, il n'allait pas dire non. Hein. Ton rang est maintenant actuellement de 0 étoile. Ouais, ok, d'accord. C'est un Monster Hunter like. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant ça, tu œuvreras en plus à ta mission personnelle, à aller à la rencontre de tous les Pokémon. De tous les Pokémon, mon dieu. Français sur 20. Prends ceci, tu en auras besoin. Qu'est-ce donc? Une carte? Non, une méthode pour confectionner des Pokéballs. Méthode Pokéball. Pour une Pokéball, j'ai besoin de un noigrume et un galet. D'accord. Voici également 3000 Pokédollars. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Ou des chaussures et une paire de... Des chaussures et une coiffure, pardon. Lucia, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Entendu. Je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la confection d'objets. Bah, c'est ce qu'elle vient de dire avant, t'es un perroquet, toi. Concrètement, cela consiste à fabriquer ces objets soi-même. Sans blague. On peut aussi en acheter à la boutique, mais il est important d'essayer d'être autosuffisant. C'est une bonne chose. Je suis d'accord. Sur le principe, je suis d'accord. Mais dans un jeu vidéo, j'avoue, je vais plutôt passer par la boutique. D'ailleurs, on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles pour les chercheurs, les Pokéballs. Plutôt impressionnant. Trêve de bavardage, du coup, à l'atelier. Mince, j'ai pas cliqué sur le guide. Alors, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça non plus que je voulais faire. Ça reste ça. Non, c'est pas ça. Nombre 0 étoile. Les Pokémon inférieurs à 10 vous obéissent. Niveau 10 ou inférieur. Ouh. Si ça augmente de 10 en 10, ça va être hyper long comme jeu en fait. Et il y a un truc que j'ai pas accès ici, d'accord. Guide d'aventure, oui s'il vous plaît. Ah punaise, il y a plein de notifications partout. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Esra, mon dieu. J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy, blablabla. Je me nomme Esra, je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile. Oh oui, merci. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Des chaussures? Un kimono et une culotte longue. Bon, alors, je tique, mais en fait non, à l'époque, la culotte, c'est un pantalon. Il y a de nombreux commerces au village, vas-y, fais-toi plaisir, blablabla. Oui. De suite. Ou pas. L'atelier est par là. Eh ben c'est pour ça que je vais par là. Je voudrais changer de coupe de cheveux, s'il vous plaît. Je veux une coupe de cheveux à 500 Pokédollars. Oui. Ah mais d'accord, c'est je paye et après... si au final je change pas de coupe de cheveux, ça va m'embêter. On peut vraiment changer de coupe de cheveux. Mais il y a rien qui... Bon, j'espère qu'il y aura d'autres coupes par la suite parce que là ils sont pas beaux. Hein. Aucune coupe ne m'intéresse. Noir, châtain, plutôt châtain. Ça c'est quoi? C'est les sourcils? Ouais, c'est les sourcils. Bon, j'ai payé, mais c'est que pour la coupe. Hein. Enfin, c'est quand même 500, ça fait cher. Je retournais sur... Non? Ah punaise, j'ai oublié de faire ça.
C'est pas grave, j'ai juste fait une couleur. Mais par contre, ouais, dès qu'il y a une coupe mieux, il faudra changer ça. L'accessoire que tu portais sur la tête, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, oui, on le porte, oui, oui, oui. On l'enlèvera plus tard. Alors, ensuite, le textile pour madame. Il y a des tongs. Un haut futuriste, un pantalon futuriste et des chaussures futuristes. Ça a l'air très précieux. Mais avant ça... Pas encore ? Ah mais oui, mais c'est parce que... c'est parce que... Oui. Alors... j'ai une sauvegarde de Pokémon épée bouclier, donc j'ai le droit à avoir des items bonus. J'ai une sauvegarde Pokémon diamant perle, donc j'ai le droit à avoir des items bonus. Et plus tard, une fois que le jeu sera terminé, parce que j'ai cette sauvegarde-là, je vais pouvoir débloquer deux missions supplémentaires pour capturer deux Pokémon légendaires ou fabuleux. Donc les deux qu'ils ont dit là. Shaymin et... je sais plus lequel. C'est pas fini ? Un masque Pikachu et un masque Evoli. Bah ça c'est pour Let's Go Pikachu et Evoli. Acheter des vêtements, oui. Une casquette, mon dieu c'est cher. Blanche. Noir, oh elle est chouette en noir, j'aime bien. Rouge. Rouge aussi elle est pas mal. Jaune. Bon pour l'instant c'est que des couleurs de casquette. Un chapeau. Un bandeau. Là ça fait très Naruto. Couleur du bandeau. Je suis pas fan. Hein. Kimono en blanc. Ah il est chouette. Kimono noir. Kimono rouge. Les kimonos sont vraiment chouettes, en vrai. Après il y a quoi? Les culottes. Bon, donc les culottes sont les pantalons. Tenue de karaté. Là ça fait très Ryu de Street Fighter. Je suis pas fan du design, mais il faut reconnaître que c'est pas dégueu. Elles sont vraiment chouettes hein. Enfin, pour de vrai le design. Et ensuite c'est quoi? Ah les chaussures, oui. Oh punaise, oui oui elle dégage les chaussures. Alors pour l'instant on est sur des trucs très très classiques. Sandal Greta. Ensuite on est sur du Seta. Donc là elles ont de la hauteur. Là non, bah autant marcher pieds nus hein. Seta, Seta, Seta. Tout ce qu'il y a. Et après c'est des lunettes. Je peux porter des lunettes qui se tiennent toutes seules d'ailleurs. Bon les lunettes je m'en fiche, mais par contre si les tongs, si si je prends les tongs. Noir d'encre, rouge. On va prendre les noirs, celles-là. Ensuite, la tenue de karaté, non. Et là c'est 1000 et 1000, donc il me faudrait 2000 pour ce que je veux. Voire même 3200 pour avoir un truc assorti. Ok. Et si je veux me changer tant qu'à faire, voir les autres tenues que j'ai. Mais c'est hyper moche. On sait même pas comment il tient. Mais regardez ça quoi. Ensuite, au futuriste. On va marquer le pantalon futuriste. C'est pas si horrible comme ça en vrai. Hein. Kimono. Ça va. Non, ça je porte pas par contre. Je suis désolé, mais non. J'aime pas du tout.
Uniforme officiel. Mon t-shirt. Sandales officielles, c'est non. Les chaussures futuristes. Les sandales Greta. Sandales tout court. Et là, beaucoup de lentilles. En vrai, ma tenue t-shirt short classique, ça me dérange pas plus que ça. À voir que... Enfin, j'espère que la tenue n'aura plus d'incidence sur le jeu. Mais je pense que si. Donc on va voir. Voilà. Ça, c'est le coiffeur. Et là, c'est le magasin. 100 Poké-Dollars la Pokéball, 200 la potion, un rappel à 700, un appât, lorsqu'on mélange cette boule nutritive à de la nourriture, elle dégage un parfum appétissant. D'accord. Et ça, à côté, c'est pour vendre. Ok. Voici l'établi, c'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village. Je pense que par la suite, je vais avoir un établi portatif. Peut-être, je sais pas. Je vais te donner quelques ressources et pour te féliciter, là, blablabla. Grâce à l'argent que la chef... Ah, c'est bon, c'est pour acheter la belle tenue. C'est bon, ça va. En utilisant les établis présents à Rusticité, dans les bivouacs, vous pouvez confectionner plein d'objets. Il n'y aura pas qu'une ville, on est d'accord. Alors, je fais quoi? Une Pokéball? C'est ça? J'ai pas con... Je sais même pas combien il fallait en faire en vrai. Une seule, d'accord. Les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet, oui, blablabla. On peut les attraper. Une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex. Que voici enfin le Pokédex après presque 2 heures de jeu. Un livre compile. Oui. Un livre compilant tous les résultats de recherche sur les Pokémon. D'accord. 7 Pokémon enregistrés, 4 attrapés. Tâche non rapportée 9. Donc il faut rapporter pour avoir des points. 100. J'espère pour moi je marque pas un point par Pokémon attrapé. Parce que si je vois 500, ça me paraît. Non, c'est pour le rang supérieur. Non, non, c'est bon. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais Rissand, je l'ai attrapé en fait. Je comprends pas. J'ai attrapé. Attends, quoi? Tâche Pokédex liée à Erisandre, spécimen attrapé. Combien de fois j'ai utilisé les attaques? Spécimen que vous avez fait évoluer. What? Attendez, je réfléchis. Donc ça, ce serait les points marqués. Et il faudrait que j'attrape plusieurs fois le même Pokémon pour marquer plus de points. Habitat inconnu. Erisandre. D'accord. Ou alors c'est le premier vaut 1 point, le deuxième vaut 3 points, le troisième vaut 6, le quatrième vaut 12 et l'autre, le cinquième l'ici vaut 25 points. Ce serait ça? Parce que s'il faut que j'attrape 25... Oh là là, ça
ça va être difficile. Eh ben, si tu veux le compléter, tu vas devoir accomplir les tâches Pokédex. J'ai moi aussi des tâches à accomplir pour le corps des chercheurs. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent ces tâches. Rendons-nous au bivouac. Okay. On retourne là-bas ? Désolé de te déranger, j'ai entendu votre conversation avec le prof. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ? Je dois monter la garde devant le siège, je peux pas trop m'éloigner de mon poste. Reviens me voir ici si tu veux. Oui, il n'y a pas de problème. Donc il y a une petite icône au-dessus, d'accord. Oui, je vais accepter. Tu connais un Pokémon appelé Chunipot ? Ouais. Un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. Ok. Une partie des Pokémon peuvent évoluer. Si vous avez rempli les conditions permettant à un Pokémon d'évoluer, vous aurez accès à l'option faire évoluer. Oh punaise, l'évolution elle est manuelle. C'est même plus naturel. D'accord. J'aimerais voir un Chunipot pour le voir grandir et évoluer. Il faut que je lui donne le Chunipot, d'accord. J'active le guide, on ne sait jamais. Vous avez autre chose ? Non, c'est juste pour lui dire que je lui rends le... Okay. Donc, si je mets la carte... C'est où la carte ? C'est pas là ? Punaise, elle est où la carte déjà ? Voilà. Là, j'ai une mission, très bien. Mission. D'accord. Pâturage et tout ça. Ok, bon, je vais au bout, là-bas. Je prends la mission secondaire. C'est quoi, ça ? Pokédex. Menu, ok. Je rentre dans une maison au pif, parce que pour l'instant, je suis rentré chez personne, en vrai. Bonjour, monsieur. Merci monsieur, très utile. Des fois, il n'y a pas d'objet dans une poubelle ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a un truc qui je trouve gênant, c'est le temps entre l'entrée et la sortie des bâtiments. Je trouve ça très très long. Alors même si ça prend 3 secondes, je trouve ça vraiment long. Rien de neuf. Pas intéressant pour le moment. Et là, il y a personne ? Ah si, là, ici. Ben, enchanté. Donc, j'ai fait ce bâtiment ici, d'accord. Là, je peux pas y aller. Je ferai ça au retour. Un grand mustéboué. Oh, qu'il est mignon. Salut, j'ai parlé au professeur l'autre jour et notre conversation m'a donné à réfléchir. Il m'a dit que les Pokémon d'une même espèce pouvaient être de tailles différentes. Je me demande si c'est vraiment possible, je le croirai que lorsque je l'aurai vu de mes propres yeux. Si c'est vrai, j'aimerais bien voir mon Mustiboué à côté d'un autre plus grand pour pouvoir les comparer. Il paraît que tu t'y connais, donc je voudrais te demander un service. Si jamais tu attrapes un Mustiboué plus grand que le mien, tu voudrais bien me le donner ? D'accord.
Avec plaisir. Must et boué. On m'a dit que là-bas il n'y avait rien. Et en vrai. Attendez, la carte, c'était ça. Il faut que je mette de la priorité dans l'émission, quoi. Des bruits bizarres. Des jolies plantes. Il est pas dégueu le jeu. Tous les gens qui râlaient sur Twitter par rapport à ça, avant même que je sorte, pour un jeu Pokémon de cette trempe-là, franchement ça va. Il y a des bruits, il doit y avoir des Pokémon quelque part. Tu peux y accéder au bâtiment là ou pas? Non, toujours pas. Il y a toujours le bateau, hein. Il y a des bruits et on me dit qu'il n'y a pas de Pokémon ici, c'est pas possible. Bon, je voulais juste vérifier qu'il y avait bien rien. C'est jamais. Vivement la monture, hein. Oh attendez, je peux lancer le Pokémon dans le village. Ah oui. C'est mon starter, il faut... Suis-moi, s'il te plaît. Je veux pas abandonner. Il veut pas. Il reste là. Faut que je le recapture? Sérieusement? Non, d'accord. J'ai eu peur, hein. Franchement j'ai eu peur. Bon, voyons ce bâtiment. Ouais, ok, donc il est rentré automatiquement dans la Pokéball, ça va. Ouf. Bonjour madame. Elle est venue depuis ON. Ah. Désolé madame. Deux personnes qui prennent du thé. Mon sens, c'est que du blabla classique de PNJ de Pokémon. Très bien. On a encore 6 portes à visiter. Que ça va être ça sur toutes les petites maisons en vrai. Timo, il était pas derrière, dehors lui ou elle, je sais pas. D'accord. Les personnages, enfin les PNJ quand même
bougent un peu dans leurs habitudes. Ok. Pour l'instant, c'est juste du blabla conseil rappel. Attendez, je viens d'où ? Et l'avant-dernière. Non, non, mes Pokémon ne m'attaquent pas. Donc lui, il est à fond sur les champignons. Et là, on a fait le tour, c'est bon? Je crois. Il y a des entrées dehors. Ah bon, ça va. Tout ça, ce sont des boutiques. Il y a un bâtiment là-bas, de maison. Et il y a cette grande maison là. Ils ont toujours pas fini leur combat, eux. On peut pas y rentrer, d'accord. Bonjour. Mais les Pokémon peuvent vraiment m'attaquer à moi? Ça me surprend quand même. Allô là? Bah, tu t'es trompé de région, toi. Très bien. Je pense que cette fois, j'ai fait le tour. Madame. Ah non, je lui ai déjà parlé. Le resto. Là, il y a une mission. Oui, mais je fais comment dans ce cas? Alors attendez. Etourmi. Compléter la page, c'est faire tout ça? Ok. Oh, punaise. Sans qu'il me repère, vous voulez que j'attrape les Etourmi? Oh, oh là là. Punaise. T'as une barbe mais t'as pas de shampoing. Bien vu Yuni, bien vu. J'aurais pas pensé. Punaise. Apparence différence constatée. Il va falloir que j'attrape un shiny. Ou alors Etourmi a une des formes non shiny que. Je découvre le jeu, quoi, au secours. Faut vraiment remplir tout ça. Punaise. Là, c'est chez moi, on a dit. Et là, il y a deux maisons. Deux appartements. Il n'y a personne.
Y'a personne. Ok. Ils attachent le l'ail. C'est quoi ça? C'est des fraises ou des tomates avec les tongs. C'est rigolo. Moi, je craft une miaouse. J'ai vu ça sur le live de Wadjos, ouais, j'ai vu un petit peu. Je prépare le RP Pokémon qui commence dans pas longtemps, je crois. Mais le jeu de mots Miaouse, franchement, fallait y penser. GG pour ça. Mais j'en ai un. Allô. J'en ai un, monsieur. Oui. Il est là. Mais c'est la croix jaune du marchand, j'y pense, là. Le marchand, son symbole, c'est les trucs des oreilles d'élixie. Ah, une étoile plus qu'une croix, d'accord. Voilà, 3 potions. T'es content, monsieur? Et là, c'est les photos. Une petite photo. Allez. Si tu veux. Ah oui, pour l'époque, vous avez du matos, hein. Photographier les gens avec leurs Pokémon, c'est mon métier. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour prendre une jolie photo? Tu vas pas beaucoup gagner ta vie, toi, parce que les gens, ils ont peur des Pokémon, ici. Je suis dos au mur. Enfin, Au secours. Je suis à l'envers, quoi, sérieusement. Je sais même pas. Je suis. Comment vous voulez que je le sache? J'en sais rien. Vous pouvez prendre des photos en appuyant sur le capture. Ah, c'est tout ça pour ça? D'accord. Mais je suis dos. Je suis de dos. Sérieusement? Oui. Donc faut que je me positionne, voilà. J'avance un peu. Ça sera peut-être mieux comme ça. Et mon Pokémon, il est où d'ailleurs, j'y pense là. Faut que je sorte le Pokémon? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Je craft une miaouse en boîte. En boîte. C'est une maison... prête à monter. J'ai plus d'autres missions à... Alors attendez, la carte, c'est moins ça, on a dit. Tac, tac, tac. C'est bon, je peux y aller, je peux partir en mission. Je vais dire supposer que oui. Est-ce que je peux changer de zone? Parce que là, c'est rusticité. Mais si je veux voir la... Ah, voilà, c'est ça. Parfait. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Et là, j'ai... Début des recherches, tâche Pokédex. Ok. Mes missions. Punaise. C'est pas intuitif leur truc. Hein. Pas là non plus. Voilà, mission. Donc là, rendez-vous dans les plaines et faire du blabla. Ensuite. On me demande.
De rapporter un chenipot. D'accord. De montrer l'étourmi complété. Hein, et un grand mustéboué. D'accord. Chenipot, étourmi. Mustéboué. J'ai fait une immense boîte pour que les gens ne voient pas le serveur et ne soient pas spoil. Je crave dedans. Ouais, bah oui, c'est bien pensé, en effet. Pour protéger le secret et le mystère. C'est bien. Tu devais... Vous devrez accomplir des tâches. La liste des tâches à accomplir diffère. Bah oui, jusque là, ça va. Punaise. Fixer un Pokémon en maintenant ZL appuyé. D'accord. Ouvrez le Pokédex pour avoir immédiatement les tâches. D'accord. Certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières. Bah oui, je me doute. Ok. Je vais t'enseigner une chose importante. Quand un Pokémon sauvage t'attaque, tu dois essayer de l'esquiver. D'accord. Ok. Donc, je ne joue pas à Pokémon. Je confirme encore une fois, je joue à Monster Hunter. Voilà. C'est... Bref. Aimer une minimap par contre. Faut vraiment que ça manque. Il y a des quenotors. Ah bah tiens, justement. Alors attendez, Pokédex, non. Pokédex. Quenotor. Faut en attraper 5. 5 avec un qui ont des poids lourds, mais ça je peux pas vraiment le savoir. En vaincre 5. Apparence différente. Punaise, mais faut, attendez. S'il faut que j'attrape un shiny sur tous les Pokémon. Non, pas tous. Togepi, apparemment, il n'y a pas besoin. Oh là là, mais les autres... Au secours. Ah, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais bon, pourquoi pas. Très bien. ZL et après Pokédex. Non, mais j'ai pas compris son truc. Je vais relire ce qu'elle m'a dit, je l'ai pas compris. Guide, il est où le guide? Il est là. Les tâches Pokédex. Pour compléter le Pokédex, blablabla. Fixer un Pokémon. Ok. En maintenant. Ah, faut le fixer, d'accord. Et après ouvrir le Pokédex. Donc si je fais. Ça, puis ça, puis ça. D'accord, ok. Enquêter sur les quenotors. Retor. Retor du village. Retor, c'est un mot. Je sais pas. Si tu vas dans la forêt, il doit y avoir des shiny pans. Pas mal, pas mal d'une.
Il s'est barré! Non, c'est d'abord comme ça, puis comme ça. Non, c'est pas grand. Oh, punaise, c'est dur. Revenez ici! Vu que c'est pas du tout les mêmes boutons que pour attraper les Pokémon normalement ailleurs. C'est pas du tout le, c'est même, c'est vraiment pas le même gameplay en fait. Oh, un oignon. C'est compliqué. Il me reste qu'une Pokéball? Alors attends, on va voir la madame, hein. Elle s'est barrée où? Ah, il y a quelqu'un là. Ok. J'ai lancé. Mais. Punaise! Il y a un Lixi en bas. Bon, bah, je vais chercher des Pokéballs. Vas-y. Prends des baies. C'est bien. J'ai plus de Pokéball, quoi. Ah, je peux pas grimper comme j'ai envie. D'accord. Bon, j'ai des noix grumes. C'était quoi qu'il fallait? Des noix grumes et... C'est ce bouton? Non, c'est pas ce bouton. C'est pas ce bouton, j'ai dit. C'est pas celui-là. Guide d'aventure. C'est où pour crafter? C'est pas là? Parce que j'aurais voulu voir les recettes en fait. S'il faut être tout le temps sur un atelier pour avoir des recettes, et comment est-ce qu'on peut être efficace à la chasse, à la cueillette, tout ça. Faut se noter, faut avoir un post-it. Ça, c'est mes items à moi. Ah, j'ai galets, j'en ai 19. Nos grumes, j'en ai là. Donc là, je vais crafter, c'est ça? En mettre combien? 19. Ok, donc là j'en ai crafté 19, très bien. Faire des achats, oui. Je vais en acheter, oui. J'ai que 1000, hein. C'est pas grave. Je pense que je vais être rapidement à court de d'items. Donc bon, je vais essayer de faire cette mission. Je ferai une pause après. Ça va faire 2h30. Ça permettra de mettre un marqueur dans le chat pour faire une vidéo VOD. Si je saute, je meurs. Ah! Oui, j'ai pris des dégâts, mais attendez, mais ma santé à moi, je la vois comment? Ah, esquiver, c'est comme ça. Je vois pas ma... Ah, si, c'est bon, ça va mieux. Un soignon. C'est même pas un oignon, c'est un soignon. Alors, j'ai dit que je voulais faire ça, puis ça. On y va tranquille. Yes. Je crois qu'il y a un oignon devant moi.
Il s'est barré, je lance la Pokéball. Faut que j'apprenne à annuler ça. J'arrive pas. Ah mais... Il s'est barré. D'accord. Oui, c'est un Pokémon Volum. Oh! Un chenille machin. Valferrache. J'ai changé de zone? Moins. Ah ouais, j'ai changé de zone. En effet. Allez, on y croit. Yes. Caché. Raté. Il s'est barré. Ah oui, c'est barré, barré. Hein. Punaise. Allez, allez, ça passe, ça passe. Il veut pas. Bon. C'est quoi ça? Il va y avoir du minage. Va falloir miner. Bah attendez, je suis pas censé faire une mission, moi. Là, il y a un oignon. Prendre juste une petite vidéo. Balade. Parce qu'en vrai le jeu il est pas dégueu quoi. Je trouve ça dommage que les gens ils disent que le jeu est dégueu. C'est un peu injuste. Il y a un Mustéboué. Non. Voilà, là j'ai gaspillé une balle pour rien. Suspense, suspense. Bravo. Elle est où la madame? Elle est là. Là-bas, il y a des Kenotors. Voir le Pokédex. On va déjà jeter un œil sur ça. Alors. Kenotors. J'en ai attrapé. Espèces différentes constatées. Ah, mais c'est mâle et femelle. C'est pas shiny. C'est mâle et femelle. Et pour le reste, c'est autre chose. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Je suis à 2. J'en ai attrapé 2. Spécimen que vous avez fait évoluer. Pourquoi il y a une flèche devant? J'ai pas compris ça. Étourmi. Je suis là. Ok. Espèces différentes, mâles et femelles. C'est constaté en plus, c'est même pas attrapé, c'est constaté, enfin je pense. Elixir, il y a beaucoup plus de choses. Ok. Chenille poète. Et le Mustéboué. Pour l'instant, il n'y a pas de grande taille. D'accord. Ça va être super long comme jeu en fait. Il y a des Mustéboués qui vivent dans le coin. Oui, en effet. Comme l'élixir, ils ont tendance à être agressifs et n'hésite pas à attaquer, alors fais attention. Si tu veux en attraper un, tu dois l'affronter. Bah non, je viens d'en attraper un sans l'affronter là. Quand même. Si vous subissez un grand nombre de dégâts trop rapidement, vous vous retrouverez dans une situation critique. Et les bordures de l'écran deviendront rouges. Vous récupérerez de la vie à la mesure que le temps passe. Ah, c'est ce que j'ai vu juste avant. Donc. Tant que vous n'êtes pas la cible d'un Pokémon. D'accord. L'une des tâches Pokédex de Mustéboué nécessite de le voir utiliser une certaine capacité.
Il y a des tâches comme celle-ci qui ne peuvent pas être accomplies qu'avec un combat. Qui ne peuvent être accomplies qu'avec un combat. Eh bien, très bien. Début des recherches. Il y a le Mustéboué, Pokédex. Mustéboué, il est où, il est là? Il faut qu'il fasse Aquajet. Aquajet. D'accord. Je vais sortir l'Ixie, je pense. Carte. Donc si je fais... Raté. C'est bon. Il faut qu'il fasse à quoi j'ai. Aïe! Allez, fais à quoi j'ai. J'y vais doucement exprès. Il veut pas? Pourquoi il veut pas? Il est KO. Ah, d'accord. Mais il a pas fait à quoi j'ai en fait. Je suis un peu déçu. Il y a un autre oignon là-bas. Ah, il y a beaucoup de... Alors attendez, on m'a dit que c'était comme ça, puis comme ça. Voilà. Ensuite. Ici. Si elle me dit que je peux faire ça les trois d'un coup. Ta persévérance m'impressionne. Petit cadeau, la boîte à outils. Donc ça va être bien pour craft à l'extérieur. Une boîte contenant tous les outils nécessaires pour confectionner des objets, même sans établi. Toutefois, elle ne permet d'utiliser que les ressources de la sacoche. Ok. Blablabla, blablabla. D'accord, donc j'ai pas de la place infinie. Ah, je vais pouvoir faire des potions. Une baie au rang et un soignon. D'accord. D'accord. Oui. Et j'en fais quoi? Faites votre rapport au professeur. D'accord. Mais c'est quoi, c'est un caillou? Non, c'est un PNJ. Je vais relire les tâches quand même. Enfin, la mission. L'émission, c'est ici. Oui. Donc là, c'est aller voir le professeur. On est d'accord. Chenipote peut évoluer. Donc Chenipote, j'ai juste à ramener. Étourmi. Il faut que je complète Étourmi en entier. Et Mustéboué. C'est bon. D'accord. Donc Mustéboué, c'est bon. J'ai juste les Étourmis qu'il faut que je complète la page. Oh là 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 là. Donc, Pokédex. Faut que j'en attrape 5, que j'en vainque 5, et après je les fasse évoluer. Okay. Alors du coup je vais essayer de focus les étourmis. Là-bas il y en a.
Il a l'air plus simple à attraper celui-là. Il dormait peut-être? D'accord. Je vais relire la page du Pokédex. Wait, attendez. Il y a un truc qui m'interpelle. J'en ai attrapé 3. Donc si j'en attrape un quatrième, le 6 ne sera pas... Faut vraiment que j'en attrape 25 et que j'en batte 5. Non, attendez. Attrapez. Attrapez sans qu'il vous repère. Oh là là. Je vais essayer d'en attraper un autre, voir si c'est le 6 et ce color ou pas, mais... S'il y a tant à faire. Mais le jeu, c'est des heures et des heures et des heures. Je pensais que le jeu, c'était un... Vu que ça se base sur la région Diamant-Perle, je m'étais dit, bon, 30, 40 heures. Non, tu parles, il va y avoir des centaines d'heures de jeu, en fait. Sur 3, quitte à attraper un. Attendez, tac, je lance. Ah, un peu loin, peut-être. Voilà, merci. Ah, là-bas, il y a un chenipot. Je l'ai raté? Sérieux? Je crois que j'ai cassé la Pokéball sur lui et que je l'ai mis KO. Et qu'il s'est, il a des pop. Là-bas, il y a un étourmi. Suspense. Yes. Donc, là, il a spécimen attrapé 4 sur 6. Donc, c'est bien ça, faut que j'en attrape 6. Oh là 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 là. Je vais essayer d'aller jusqu'à 6 pour vraiment compléter cette tâche. Là-bas, il y a un Litsi. Ah bah y en a deux là, tiens. Yes. Ah bah alors attendez. Tac. Vas-y. Prends les baies. Il est dans les herbes hein, le oiseau là. Il était dans les herbes. Il est dans les... Voilà, il est dehors, là. Je m'approche un peu. Ah, il a l'air... Quoi ? J'ai là, mais c'est parce que j'ai lancé l'Ixi, pardon. J'ai lancé le... Il s'est barré ? Au secours. Bon, les Kunotor, j'en suis où? Kunotor. Faudrait que j'en attrape un autre. Voilà. J'ai lancé l'Ixi, punaise. Vas-y, attaque. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne.
Est-ce que ça fonctionne en mode je l'ai vaincu ou pas? Non, c'est pas vaincu. Combattre et attraper, c'est pas vaincu. D'accord. D'accord. Bon, dans ce cas. Pas très efficace. Hein. Oh! Lixie est KO, punaise! C'est ma faute. Est-ce que je peux renvoyer quelqu'un d'autre ou pas? Oui, Harrison. Voilà, donc là j'ai vaincu un peu. Très bien. Il n'y en a pas un autre qui traîne que Notor sur le chemin. Ça m'arrangerait. Non, ici non, c'est le bivouac. Un petit Cunotor, c'est juste pour le vaincre, tranquillement. Aïe. Poste Pokédex du Lixie. J'ai peut-être fait une bêtise. Voilà. Alors, attrapé 1, vaincu 1. Vaincu par une capacité de type sol. J'ai rien en sol, moi. J'ai lancé la Pokéball, mais sérieux! Pas mal. Et il m'attaque deux fois, hein. Voilà, là j'ai vaincu le lit. Là, il y a un Wagnon. Il est bête là ou quoi? Pas l'impression. Un Cunotor à la base. Je cherche le Cunotor. Et toi? Attendez-toi là. Attraper 1. Attraper sans qu'il vous repère. 1. Vaincu 1. D'accord. Nul. Sérieux? Je suis nul à ce point? C'est barré? J'ai bien l'impression. C'est quoi, c'est un étourmi? Il m'a vu. Pas, il m'a pas vu. Suspense. Ah ben voilà. Toujours à la recherche de. Bah on va. Faut que je l'habite fait que Notor et. Je suis un nipote dans les tâches quoi. C'est quoi ça? Un oiseau? Ouais. Les mêmes. Là-bas, il y a Lixie. Ah! Il veut mes fesses. Je peux pas monter sur le caillou. Non.
petit queue, Notor, s'il te plaît. Où es-tu, Notor? Je ne sais point. Il n'y a plus de Kunotor. Ils ont tous des pop. Ah non, il y en a un là-bas. Alors attendez, Kunotor, j'avais dit que c'était quoi là qu'il fallait que je fasse. Je me souviens même plus. Vaincu, d'accord. Donc combat. Non! Ils prennent trop facilement la fuite, hein. Beaucoup trop facilement. À la recherche du Kunotor perdu. Que le temps change, c'est peut-être qu'une impression. Ah bah tiens, voyons. Non, c'est pas une impression, le temps change. Le jour se couche peut-être. C'est quoi ça là-bas, c'est un Pokémon? C'est une plante? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, attention! Lixi, on a dit s'il y a des tâches à faire. Vaincu 2. Ok. Trop loin. Du choix. Danger. C'est bon. On va soigner Berry Cendre de suite. Le soin, c'est ici, potion, utiliser hérissandre, nickel, et c'est tout, parce que j'ai, c'est quoi ça? Un mystérieux sable qui permet d'augmenter le niveau d'effort d'un Pokémon s'il est inférieur à 3? C'est quoi un niveau d'effort? Je sais pas, je ne sais point. Alors attendez, je voulais monter sur cette petite colline. Des petites buttes de terre. J'y arrive. Qu'est-ce donc? Un bourgeon vivace. Tout ça pour ça. Je ne sais pas ce que c'est. Lixi, pardon, excuse-moi, hein, mais... spécimen vaincu par... Non, ça, j'ai pas. Foi où l'espèce a utilisé morsure, pour l'instant, 0. Il faut que j'en attrape 2 autres, ce serait bien. Mais bon... Pas mal. Ne refais pas ça. Vite, vite, l'objet. Allô, l'objet. Merci. Oui, je lance une Pokéball. Allez, ça fonctionne. Ça fonctionne. On y croit. Donc, si j'attrape un Lixi, ça me fait une tape. Mais. Je vais soigner de nouveau. Hérissandre.
C'est quoi mon... Ça sert à quoi? D'accord, c'est pour faire des rappels. Donc, je dois combattre un Lixi supplémentaire. J'ai été vu. Je sais pas par qui, mais j'ai été vu. Ah, il est là. Oh! Croisons les doigts. Il y a un petit bug. Ah oui, il y a des bugs. Donc le Lixi, c'est bon. Ok. Alors Pokédex, on revient sur le Lixi. C'est bon. Et on est d'accord qu'il n'y a que... Il n'y a que des Kenotor, des Etourmis et des Chenipot. Chenipot, ce serait bien que j'en attrape un supplémentaire sans qu'il me repère, deux sans qu'il me repère et que j'en batte. Et Chenipot, ils sont rares. Etourmis, bon bah. Ah si, je pourrais battre des Etourmis. Il y en a un peu partout. Quenotor. Faut que je voudrais que je vainque des Quenotor. Bon, on va se rebalader. Baudrive? Oh là, il est vénère. Il se barre. Donc il y a bien un système jour-nuit. Capacité. Planète. Je peux en refaire. Fait mal ça. Ok. Ah, Pokémon, c'est comme ça pour changer, d'accord. Eh ben, c'était pas clair, hein. Ok, Baudrive est attrapé. Alors, Pokédex, Baudrive, il est là. Spécimen attrapé, la nuit notamment, vaincu. Il faut que j'en vainque. Si je retrouve un beau drive, il faudrait que je le vainque. À la base, c'est pas ça que je cherchais. Quenotor et Tourmi, oui. Quenotor et Tourmi. C'est quoi ça là-haut? Ah, c'est le PNJ, punaise, à chaque fois que je le vois. Ah, il y a deux machins là. Alors, capacité, vive attaque. Pas vive attaque, flamèche, pardon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Style puissant, style rapide. C'est nouveau? Aïe, ça va faire mal. Style puissant, style rapide. Alors là, va falloir m'expliquer. Drive vaincu. Ça serait bien que j'en attrape un autre en pleine nuit. Il y en a un là-bas. On a dit attraper, donc discret. Ou alors non, pas discret. On y va, on va économiser. Allez, go. Non, j'ai dit go. Capacité, la mèche. Encore. J'aurais peut-être dû soigner Rissandre au passage.
objet Pokéball utilisé. Ça c'est fait, nickel. Parfait. Vite. Le soin, le petit soin pour Erisandre. Lixi prend l'XP alors qu'il est KO? Sérieusement? D'accord, très bien. C'est des choses que je recomprends pas. Je vais relire. Attendez, j'ai dit étourmi. Je voudrais en vaincre deux. Donc pas les capturer. Vaincre deux étourmis. Vaincre un Kenotor. Bon, il est poids lourd, ça, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc j'ai dit vaincre deux étourmis et un Kenotor. À la recherche des oiseaux. C'est bien vaincre et pas capturer. Bon, toi, ici, on s'en fiche. Il y a quelque chose là-haut. Ah, mais punaise, c'est toujours le même PNJ. Mais il n'y a plus les étourmis là. Ils ont été remplacés par les Baldrives. C'est quoi ça? Kenotor. C'est bien vaincre. Hein. Mais s'il y a l'autre qui se rajoute là, il se passe quoi? Pardon, hein, mais. Ok, Kenotor, c'est fait. Ah, donc on s'occupe du Baudrive au passage. Bien sûr. Ça devient n'importe quoi. Y'a pas un Lixi par terre, on est d'accord. Y'a un truc bleu par terre. C'était... Ah, c'est les récompenses des Pokémon KO. D'accord, ok. Pokédex, on y retourne. Donc ça, c'est bon. Étourmi, j'ai dit que je voulais... Donc là, il faut que je focus les étourmi. Sauf qu'en pleine nuit, ben, je vais supposer qu'ils ne sont pas là. Non, ce n'est pas drôle. Non, je vais pas... utiliser. Je viens de voir un truc, là. On peut jeter des items. Il y a des emplacements. Il y a tout ça d'objets rares. Bonjour les objets rares. Il y a beaucoup trop d'emplacements objets rares. Par contre, emplacement d'objets, il y a que ça. Il y a que ça. J'espère qu'il y a un coffre de banque, quelque chose que quelque part, ou un coffre de guilde, ou enfin, une guilde non, mais ou quelque chose du genre. Quoi. Bon, pardon que Kenotor, j'ai pas le temps. Il n'y a plus d'étourmi de toute façon. Ils sont barrés. On va aller voir le professeur. Oui, je regarde un truc dans les options aussi. Je m'étais dit tout à l'heure dans ma tête que j'ai pas partagé. C'était ce bouton? Non. Si, c'était ce bouton. Il y a un truc qui me gênait dans les options sur la musique. Je l'entends pas beaucoup et elle disparaît toute seule. Est-ce que c'est une question qu'elle est pas en boucle, quelque chose comme ça? Non. Donc c'est juste qu'il y a des zones sans musique. Bonjour professeur. Tu as la boîte à outils? Oui. Il me permet d'obtenir des récompenses, d'accord? Très bien. Rapport de recherche rémunéré. Ah ben voilà, c'est du travail. Les rapports de recherche permettent de gagner de l'argent en fonction du niveau et du nombre de Pokémon capturés. Vous obtiendrez une somme plus élevée si vous remplissez certaines conditions. Comme capturer une espèce de Pokémon pour la première fois, par exemple. Okay. Peut-être que, comme dans Zelda, tu peux acheter des emplacements. J'espère, en vrai, j'espère. Laisse-moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as remplies. Tout ça, 3, 6, 9, 10, 16, 17. D'accord. Dix Pokémon ou plus attrapés. Espèces différentes. D'accord, récompense 2367 quand même. Pas mal.
Accomplissez les tâches Pokédex et soumettez un rapport malin pour faire progresser le niveau de recherche. Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon. D'accord, il faut atteindre le niveau 10, ok. Ça me rassure qu'il faille pas remplir toutes les... En gros, ça doit être une case, un niveau, ça doit être ça, je pense. Punaise, parce que sinon, s'il fallait vraiment attraper 25 étourmis, etc., au secours. Même si dans le completionniste, faudrait le faire. En remplissant des tâches ou des pages du Pokédex, vous obtiendrez des points de recherche Pokémon. Vous pouvez les voir sur la couverture du Pokédex. Accumulez assez de points de recherche pour gravir les échelons. D'accord, ok. Très bien. Hérissante, complétée ? Pourquoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il n'y a que 8 cases, il n'y en a pas 10. J'ai pas compris. Comment il se base pour dire ça, c'est niveau 10 ? Peut-être parce que quand il y a une double flèche avant, ça compte plus ? Ça paraît bizarre. Donc Hérissandre, bon, bah, très bien. Donc on n'a pas son habitat, mais on a des informations. Il aime les champignons, du je sais pas quoi, des papillons. Il mange des papillons. Et Tourmi, il aime le miel. Ok. Et ils peuvent tenir des trucs aussi. Et là, j'ai 7 cases de compléter. Et je suis quand même au niveau 10. Très bien. Oh punaise, chaque zone des plaines obsidiennes a... Ok, eh ben... Lixi. 3, 6, 7, 8, 9. D'accord. Chenipouette, il est... Il n'y a que deux trucs, le pauvre. Chenipote, faut que j'en attrape un peu plus... Et que j'en vainque, tout simplement. Mustéboué. Là, il y a deux cases et niveau 3. Et là, il y a deux cases et niveau 4. Ça doit être ça, je pense. Je pense qu'une case où il y a une double flèche compte comme pour deux. Ça doit être pour ça, je pense. Spécimen attrapé du Mustéboué 1. Ok. Et le Baudrive. Je suis déjà niveau 7. Baudrive 7, en vrai, c'est pas mal. Donc en gros, si j'attrape un Baudrive et que j'en vainque un, j'aurai son niveau 10 de recherche, donc la page complétée. Je suppose. Et maintenant, je fais quoi ? Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Retourne à rusticité, fais ton rapport. C'est elle qui te fera monter en rang. D'accord. Ah, il m'y envoie directement. D'accord, je pensais que j'aurais pu me balader un peu, mais en fait, non. Allez voir à Selena. Mais vu qu'il y a des PNJ qui dorment, j'y pense, là. Je peux pas leur rendre les... Ouais, siège du groupe Galaxy. C'est des fly ? C'est quoi ? Wait. C'est quoi ces fly? C'est... C'est quoi ces F? Pardon, hein. Je sais pas ce que c'est. Parce que c'est la nuit, je peux pas rendre des quêtes. Là, il faut que je rende Chenipote. Mustéboué. Et Tourmi, il est validé. Je m'en souviens même plus déjà. Punaise, la mémoire. Et Tourmi, ok. Donc toutes les missions là sont validées. Mais j'ai pas les PNJ qu'il faut. Ou alors, faudrait que j'aille les réveiller en mode hé, j'ai fait le truc. Mais par contre, c'est quoi ces trucs? C'est des L, c'est des F, c'est quoi? Oh punaise, d'accord, j'ai capté. C'est bon,
J'ai juste à faire ça. Voilà. Tout simplement. C'est bien pratique ça en vrai. Vraiment bien pratique. On va aller jeter un œil au pâturage là-bas. J'ai attrapé pas mal de Pokémon. On va voir s'il se trouve bien au pâturage. Bah tout ça en fait. Oh punaise, je vais pouvoir changer les trucs comme ça, d'accord. Eh ben. Donc ça c'est ma boîte PC. Très bien. Donc ils sont envoyés là. Mais ils sont où? Je les vois pas. Je ne les vois pas. Ils doivent dormir. J'aurais bien voulu un aperçu ou une... enfin, quelque chose comme ça. Parce que là, les pauvres... ils peuvent se barrer en plus. Le musée boué, il va dans l'eau là. Hop là, il quitte la ville tranquille. Hein. C'est pas sécure. Hein. Bon, alors les missions, je vais pas aller chez les gens en pleine nuit. J'attendrai que les PNJ reviennent. On va valider cette mission principale et j'ai besoin d'une pause. Normalement c'est des VOD de 2h30, 3h. De 2h30, de 2h, 2h30, pardon, et là ça va être 3h. C'est trop long. En même temps, je suis trop long sur le jeu. Okay. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Ouais. Tu es désormais membre une étoile. Du groupe Galaxy, félicitations. Rang supérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Vous pouvez à présent utiliser des Mass Balls. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Qu'est-ce qu'une Mass Ball, s'il vous plaît? Un noix grume et un galet noir. Vous recevez une méthode pour confectionner des rappels. Oh punaise, enfin. Un bourgeon vivace et deux soignants. Ah ben j'en ai qu'un bourgeon vivace. Hein. J'en ai qu'un seul. Hein. Pour un inconnu tombé du ciel, tu possèdes un bon instinct de survie. C'est bien la preuve de ton talent et tes efforts. Okay. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux et à mesure que ton rang augmentera, ils accepteront de te faire confiance. Qu'importe tes origines. Alors si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter en rang. En fait, je viens de tomber du ciel, on m'a téléporté sans mon consentement, j'aimerais bien qu'on me renvoie chez moi à un moment donné. Donc je veux bien avoir votre confiance pour que vous m'aidiez à retourner chez moi, mais je compte pas m'installer pour de bon ici, s'il vous plaît. Par ailleurs, plus ton rang sera élevé, plus tu pourras utiliser des Pokéballs différentes. Tu obtiendras aussi davantage de récompenses, tu l'as dit ça juste avant madame. À présent, profite de ce moment de répit pour te sustenter, Wardy Gourmand, et te reposer. Mais la question est-ce que ça va me raise l'Ixi? C'est une vraie question. Hé hey Jake, mais c'est le lendemain là. Bravo pour ta promotion. Ah oui, c'est le lendemain matin, c'est le petit-déj. J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de patates encore meilleurs. Mais entre les missions à remplir pour le corps des chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée. D'ailleurs, est-ce que tu as accepté la quête des millions? Oui. Je dis oui. Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusticité ne savent rien des Pokémon. Ainsi, dès qu'il y a un problème, ils demandent au corps des chercheurs de... blablabla. Pour accepter une de ces requêtes, oui, mais ça, je le sais, je suis au courant. Ah, faut passer par le labo. D'ailleurs, Lucia, à quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien? Ah, c'est une mission pour moi, au final. D'accord. Si je me souviens bien, c'est Risa du clan Diamant qui a fait cette demande. Le clan Diamant vit et suit depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxy. On peut supposer qu'il y a le clan Perle. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Enfin, nous reparlerons de tout ça demain, nous avons bien mérité un peu de repos. Très bien. Le lendemain.
As-tu un moment à m'accorder? Oui. En même temps, j'ai pas le choix, donc. Je t'attends au dojo. Si tu as attrapé plusieurs Pokémon, tu peux changer la compo de ton équipe à l'aire de pâturage. Oui, ok. Donc le dojo, c'est le bâtiment qui était fermé un peu plus tôt. Petit point sur la carte. C'est quoi ça? Étale d'échange. Échangez vos points de bonne action contre des objets ou échangez des Pokémon, d'accord. Ah oui, il y a aussi ça. Acheter des amulettes. Je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Mission. Faut que je valide tout ça, moi. Ça se passe vraiment dans le bâtiment principal. Je retourne pas voir les gens pour. Ça me paraît bizarre quand même. Le labo est là. Oh madame. C'est pas ça? Ah, je peux récupérer des missions secondaires ici. D'accord. Il faut bien que je parle aux gens pour leur rendre ce qu'ils m'ont demandé en fait. Mais s'ils sont pas là. C'est super dur. Super, super dur. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, bonsoir Evilou, bonsoir, merci pour le raid, c'est très gentil, installe-toi, installez-vous, bienvenue sur la petite chaîne Divason Studio, je suis Jake, et je me prends la tête sur Légende Pokémon Arceus. Donc bon, ah, donc il faut bien lui parler à lui au final. Il m'a demandé un chenipouette, je lui donnais celui-là. Voilà, il sera content. Le jeu est... J'ai pas vraiment l'impression de jouer à un jeu Pokémon. J'ai vraiment l'impression de jouer à un mélange de Pokémon, de Zelda et de Monster Hunter. C'est impressionnant. C'est pas du tout le même gameplay. C'est plein de choses comme ça. Donc, nouveau follow, Lumila. Bonjour, bonsoir, Lumila. Je sais pas, il est 5h du matin. Bonjour, bonsoir. Prenez ce que vous avez envie. Faites-vous un café. Prenez un plaid, une tisane, une verveine. Installez-vous. Posez-vous. Alors, il faut que je lui donne un... Pardon. Il faut que je lui dise si il doit s'appeler Charmimi, Maximilion et Jean Charme. Sachant que le Pokémon, là, le Chenipot, il est beaucoup plus gros que celui que j'ai capturé que je lui ai donné. Donc entre temps, il lui a donné bien à manger là en 3 secondes. Hein. Je vais l'appeler Jean Charme. J'aime beaucoup Jean Charme. J'espère que tout va bien. Bon, par contre, je reste pas trop. Je veux pas te spoil à... No spoil, t'inquiète. Je commence lundi. Tu commences lundi. Ah, tu commences lundi le jeu. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, pas de spoil. En vrai, il y a pas, pour l'instant, c'est, enfin, de ce que tu regardes là maintenant, il y a pas trop de spoil. Je vais l'appeler Jean Charme. Voilà. Je sais pas pourquoi. Au secours. Oh, punaise. Allez, une mission. Ce sont des missions secondaires, hein, c'est même pas... Oh, il popote. Il dit la popote. Ce sont des missions secondaires, c'est pas l'histoire principale, donc pour l'instant, ça va. Qui c'est qui m'avait demandé une autre mission? C'était le Mustéboué. Non, Mustéboué, c'était fait. Si, c'est ça. Je dois ramener le Mustéboué. Et il faut que je montre un Emi. Ah oui, c'est celle qui était devant chez la marchande. Elle est là. Elle est ici. Je le commence. Oui, non, t'inquiète. Vu l'heure, t'inquiète. T'inquiète. On a un décalage horaire... Les étourmis mâles et femelles ne sont pas exactement les mêmes. J'ai appris ça aussi. C'est la taille de la tache blanche sur le front qui diffère. Sérieux? J'ai même pas remarqué. Tu m'as demandé de capturer, je les ai capturés moi, tu sais. D'accord, donc toi tu vas finir avec un étourmi qui va t'aider. Si tu attrapes un étourmi... Mais oui. Oui. En fait, regarde. Regarde. Oui, j'en ai un. Tu veux lequel? Il y a celui-là. Niveau 2. Et celui-là. Allez, on va lui donner celui-là. Il est chou. Allez, si tu veux. Tu veux lui donner quel prénom? Non. Elle veut juste le caresser. Ah, elle a peur. Le bruitage. Pardon, mais le bruitage. Quoi. Il est là à côté de moi, mais je résiste. Ah, bah ça...
Je me suis dit, enfin, je l'ai reçu ce vendredi matin et j'ai attaqué là. Il devait être 2 h du matin quand j'ai commencé. Là maintenant. J'ai attendu un bon moment de. J'ai préféré bosser un peu en journée. Alors j'aurais pu stream en journée, mais je préférais faire ça comme ça. Il va me regarder très bien. Mais non, il va pas t'attaquer, il est tout mignon quand même. Les actes héroïques, c'est bon pour le corps des chercheurs et les corps de la défense, si tu le dis. Certaines personnes prennent peur et s'enfuient rien qu'en voyant un Pokémon. Un outil tel que le Pokédex pourrait nous aider à mieux comprendre ces êtres vivants et à moins les craindre. Mais je viens de te montrer tout ce qu'il faut sur l'oiseau, quand même. Oh, 10 Pokéballs, je prends. Je suis preneur. Je me demande ce qu'aiment les étourdis. D'accord. Ensuite, j'ai pas des missions à prendre. Hein. C'est à rendre. Eh oui, le Monsieur Boué. Monsieur Boué, il est loin, Monsieur Boué. En vrai, je pourrais. Ouais, y aller à pied, c'est plus rapide. C'est plus rapide. J'aime bien la musique. Et on va parler à ce garde. Bonjour monsieur. Oui, j'ai apporté un mustébouet, regarde. Oui. Voilà. Quoi? C'est pas suffisant? Un mustébouet qui fait au moins 80 cm. Non mais je vais pas aller voir tous les mustébouets, sortir mon maître, vérifier qu'il fait 80 cm, mec. Hein. Quand même. Sérieux? Attends, je l'ai déjà, c'est ça? Mais comment je le vois ça? Aperçu. Non, c'est pas ça? Je comprends pas le truc. Eh bien si, c'est ça, je vois très bien. Parfait. Non, c'est pas ça? Ok, c'était pas ça. Bon! C'était mal con. Là, c'était mal fait, mal expliqué. Je suis désolé le jeu, mais c'était pas ouf. Comment je vois ça, moi? Comment est-ce que je vois ça? En vrai. Ah, voilà, 0,69. Oh, sérieux? C'est rigolo ça. Ça c'est bien fait ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que c'est le tout premier Pokédex, du coup ils sont pas encore familiers avec les Pokémon. Je me disais que ça va, c'est canon. Ouais. C'est pas la taille qui compte non plus. Non mais oh. Bah en plus, quoi. Il a un étourmi. Un mustéboué tout petit. Je ramène un grand mustéboué, c'est pas suffisant. Donc il va falloir que j'aille j'allais dire à la chasse. Ou à la capture des mustéboués, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc là, en mission secondaire, j'ai que des mustébouées. Et il y a la mission principale que je voulais attendre pour la faire. Donc je vais me poster devant. Et comme je le dis depuis maintenant 1 heure, je vais faire une pause de 5 minutes. Et je reviens après. Parce que j'ai soif et que je dois aller faire pipi. C'est juste 5 minutes de pause et ça me permettra de faire la VOD aussi. Examiner, oui, j'examine. Dojo. Par contre, je voudrais revenir au menu principal. S'il y a moyen ou pas? C'est où? Options. Comment on sauvegarde d'ailleurs, au passage? Comment on sauvegarde, s'il vous plaît? Forum des objets perdus, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Lorsque vous perdez connaissance, vous laissez derrière vous des objets perdus. N'importe qui dans le monde entier peut ensuite les ramasser et vous les renvoyer par internet. Mais c'est trop bien! C'est génial! De la même manière, vous pouvez trouver les objets perdus d'autres personnes et les renvoyer à leurs propriétaires. Vous obtenez aussi des points de bonne action. Punaise!
Les points de bonne action que vous accumulez peuvent être échangés. D'accord, c'est trop bien. Objet perdu de Léa. C'est qui Léa? Objet perdu de Regina. Et je fais comment? Vos objets perdus. Pour l'instant, ça va. Non, d'accord, c'est aux gens d'aller les récupérer, je suppose. Enfin, je pense. Cadeau mystère. Suspense. En vrai, je sais pas s'il y en a. Dès le départ, j'ai un doute, mais tant qu'à faire. Parce que ce qu'il y avait à récupérer avec les sauvegardes d'épée bouclier, Let's Go, Evoli Pikachu et Diamant Perle, j'ai déjà récupéré. Ah, sauvegarde en cours. Bah tiens, tant qu'à faire. Un vêtement. Il y avait un cadeau. Qu'est-ce donc? Un kimono extravagant, une culotte longue extravagante et un masque de maudit renard. D'accord. Juste les voir. Ah, je peux pas les voir. Donc va falloir. Je vais aller passer au magasin pour qu'on voit l'aperçu. Elles sont beaucoup trop belles, les balles. Ouais. Je suis d'accord. On va passer au magasin vite fait pour voir cette nouvelle tenue. Punaise, mais je retarde de plus en plus la pause. Mais au secours, quoi. Les magasins de fringues, c'est ici. J'aurais pu aller chez moi d'ailleurs. Regardez le miroir. Le masque maudit renard. Oh! Bah, contrairement. Le masque Evoli, il est dégueulasse. Pikachu aussi. Mais le maudit renard, franchement. Ça, c'est un masque typique du théâtre japonais. Ça, oui. Ça, je dis oui. Evoli, non. Pikachu, non. Bon, je garde ma casquette. Et après, c'était quoi? Le kimono extravagant? Caninos. Ah, c'est la Caninos que j'ai eue. La Caninos est déjà plus correcte que la Shaymin. La Shaymin, elle est dégueulasse. Donc ça, c'est pas du spoil. Ça, c'est des cadeaux reçus parce qu'il y a eu des sauvegardes des autres jeux Pokémon. Et là, Caninos, c'est gratuit. C'est juste la gratuité. Voilà. C'est pas ça, c'est pas du spoil. C'est juste des cadeaux à récupérer. Bon, non, hein, je porte pas ça, évidemment. Hein, voulez pour... Non. Voilà. Sortir sans se changer. J'ai dit sortir sans se changer. Merci. Voilà. Je reste pas sinon, je vais craquer. Jouer toute la nuit. Des bisous. Bonne fin de stream. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bon matin. Bon week-end. Et vidéos. Reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Ah non. À la base, je cherchais le menu. Parce que je voulais aller au menu principal. Notamment pour la musique. Ah, sauvegarder. C'est bon, j'ai... Mais on peut pas revenir au menu principal, sérieux. Ça, par contre, c'est pas bien pensé, ça. C'est vraiment pas bien pensé. Dommage. Dans ce cas, je vais me poster devant, là-bas, comme je l'ai dit. Bon week-end à vous aussi, Jacques. Voilà, je me poste là. Mon dieu, 3h20, que la VOD avait tellement longue. YouTube, tu connais la chanson, à force t'es habitué. Tu sais ce qu'il te faut te faire, hein, le Discord, l'abonnement, etc. Cordialement, bisous YouTube, Twitch, restez là, je reviens dans 5 minutes, juste histoire de faire une pause.